saucisse, ton gros cul bien dodu, je veux le pénétrer. Oh ma belle demoiselle, prends-le-moi le pénis, tu auras une bonne grosse fessée. Côte charreau toute bien attachée, côte charreau une bonne grosse fessée. Oui, c'est toi le chacal à la grosse teubie. Quand tu la sors devant une femme, direct elle jouit. Branle-toi avec ton gros zizi et pose tes boules sur le tronc du roi. Quand je te vois, je veux juste baiser. Je t'attrape les fesses, putain, je vais chuter. Je me sens ostracisé de ne pas pouvoir t'enculer. Je suis peut-être un peu gay. Les matchs de foot, je m'en carre. Tout ce que je veux, c'est ton cul. Je percute comme un car avec mon gland dodu. La couille à ma tata. Mais quelle tympe magnifique. La couille à ma tata. Viens donc sur ma bite. Prends donc mon zizi. Un coup de rein, tu souris. Sans aucun répit. Et oui, tu jouis. La couille à ma tata. Entre quatre fesses et deux buissons, je dépose mon fluide sur ton fion. À chaque orgie, j'apporte le baillon. Partout, foreplay. Foot fétiche. Tous parés pour la fissure anale. Symbole d'un fragile trou de balle. Ce qui nous lie, plaisir et facial. Du caqué, d'épée. Foot fétiche. Partout, foreplay. Foot fétiche. Depuis que tu me suis partout, ça devient clair, je pense qu'il faut que je te l'avoue. C'est peut-être un peu tabou, mais en y pensant, je m'en fous. Je veux te mettre mon doigt dans le cul. Quand tu pètes, je veux que ça évacue. T'es la championne de la reine haut. Tu mouilleras comme il faut. Tu mouilleras comme il faut. Et souviens-toi que je suis un mal alpha. Chérie, tu me donnes le ballon, mais je préfère tes tétons. Je ne suis pas branché sentiment, mais je suis plutôt centimètre. Oh bébé, penche-toi en avant, dorénavant, c'est moi qui vais te la mettre. Y a pas que le foot dans la vie, y a le sexe aussi. Vas-y Gabi, c'est bon. Vas-y Gabi, c'est bon. Facebook, ton Twitter, je les ai épluchés. Mais en fait, il serait peut-être enfin temps de fusionner. Ma bouche sur tes lèvres et mes mains sur ton fessier. Je sais que tu vas grave kiffer, parce que je vais bien te pénétrer. Et puis on va réitérer. Oh, je te le dis, ma belle, notre lit va se casser. Toutes les nuits, plus besoin de mouchoirs. Toutes les nuits, on ken comme des oufs. Toutes les nuits, avec un pote noir, je suis pas un bâtard, je partage ta fouf. Toutes les nuits, je te fous droit. Toutes les nuits, tu m'assèches les fruits. Toutes les nuits, je te casse en trois, sans foi ni loi. Bonsoir, oh, ma belle Paris demoiselle. J'ai lancé le jeu en même temps que le live. J'ai oublié que je devais lancer le jeu avant le live pour éviter que ça crache. Ça n'a pas craché. J'ai peut-être enfin trouvé la solution temporaire avant que Twitch décide de me casser les couilles. Enfin, OBS décide de me casser les couilles. Comment ça va l'équipe? J'ai pas du tout posté sur Discord qu'on devait rentrer dans la légende. Attends. Everyone? Ramène-toi, sinon un animal moche naît. Hop là. C'est réglé. Comment vous allez l'équipe? Salut FML, salut Sam, salut Théo. Comment vous allez les refs? Vas-y. Bah ça va très bien, écoute. Ça va très bien, je suis super fatigué, j'étais super fatigué là avant le live. J'ai dormi une heure et demie, frère. Le taf, puis c'est la nuit courte que j'ai passée. Laisse tomber, frère. Laisse tomber. Mais bon, on est là pour casser du gros boss. La suite de la légende. Salut mon Tony, comment ça va mon Tony? Hey. Grosse dédicace à vous le FCB, Issam, par exemple, Issam, qui fait partie des viewers super fidèles, on vous entend pas souvent spécialement, vous vous démarquez pas spécialement, mais merci à vous les gars du soutien d'être là dès le début, d'être là à chaque fois. Salut Crystalinks, comment tu vas? Vraiment merci à vous les gars, ça régale. Franchement, en ce moment les lives sont monstrueux, j'aime trop les putains de lives, voilà. On est souvent à 20-30 viewers de moyenne, je trouve ça, entre 20 et 30 viewers de moyenne, je trouve ça incroyable. Pour du non-Fall Guys, après l'arc qu'on a vécu avec Fall Guys,
Merci à vous, ça fait trop trop plaisir. Et vraiment le soutien qui est là. J'ai envie de live pour évidemment Elden Ring, parce que le jeu, il me faut ma dose de haine. Tu vois, genre là, la haine, faut que ça rentre. Il faut que ça rentre. Mais juste vous parler dans le chat, être avec la commu, la communauté, le FC Vélo, on s'amuse. Comment ça va Redeline? Comment ça va Mixal? Comment vous allez les gars? Comment vous allez les refs? Aïe aïe aïe, je vous jure, des fois je suis au taf, je suis là en mode, mais putain, vivement que je me casse et que je puisse avoir plus de temps pour YouTube et Twitch, quoi. Oh, horrible. Bah ça va très bien, écoute, Mixal. Là, comme j'ai dit à Théo, là, j'ai fait une petite sieste avant. Je me suis pas brossé les dents, pas lavé non plus, donc là, c'est... Je suis avec ma gueule de défenestré qui revient du taf. Mais bon, au moins j'ai mangé un petit coup. Si jamais j'ai encore la dalle, j'ai les Subway... Enfin, j'ai les cookies du Subway. J'en ai 4. Ce qui, si vous en avez jamais mangé, je vous conseille. C'est tellement rare qu'il y ait de la méga bonne bouffe dans un fast-food. Les cookies, le truc aux noix de macadamia, n'hésitez pas. Heureusement qu'on n'a pas les odeurs. T'inquiète, en plus j'ai mangé des nems, gros. Le brossage dedans, je peux te dire qu'il pardonne pas. Hein. Tu le rates, je suis un dragon dans Alden. Hein. Sachez juste que je vous remets mon Insta dans le chat ainsi que le Discord. Le TikTok... Que j'ai actuellement RSTM, hein. Je vais changer un peu la direction. Que jusqu'à maintenant, les TikTok, en fait, je mettais à 99% des extraits de mes vidéos. Sauf que Twitch n'aime pas, TikTok n'aime pas ça. À chaque fois, je me fais, soit je me fais bannir, soit je me fais shadowban, soit je me fais, enfin, là, je peux pas être monétisable. Donc là, foutu pour foutu, on va prendre une direction qui sera un peu plus dirigée Twitch. Il y a les stagiaires donc, qui sont dans le chat. Hein. Il y a Léo. Comment ça va, Léo? Il y a Léo Rav, il y a X-Tony, il y a FCVFML, les frérots, les stagiaires. Tony, quand il aura son PC, il s'y mettra aussi. Mais ils vont faire un peu plus de... Ils vont m'aider à participer au montage, mais en dehors de YouTube. À la base, Léo devait m'aider pour YouTube, mais je me suis rendu compte qu'en vrai de vrai, YouTube, il vaut mieux que je garde ma patte, que ce soit moi qui fasse les montages. Par contre, pour tout ce qui est annexe et qui peut beaucoup aider la chaîne YouTube comme la chaîne Twitch, ce sera TikTok. TikTok, c'est une source monstrueuse de visibilité, donc je peux pas ne pas passer sur ça. Et aussi, je vais vous mytho, hein, la monétisation. C'est arrivé, je suis monétisable maintenant vu que j'ai dépassé les 10 000 abonnés. Je vais pas manquer ça. Donc si je peux gagner, avoir une autre source d'argent, parce que je gagne pas des 1000 et des 100, hein. Je crois que ce mois-ci, je vais toucher quoi, 200 balles? Parce que j'ai pas fait de vidéo ce mois-ci. Voilà, sinon c'est 200, 300, 400 euros gros, si je suis chanceux. Je suis super transparent avec vous, hein, s'il y a des gens dans le chat que ça dérange de parler d'argent ou quoi, désolé, mais je préfère la transparence plutôt qu'à faire le giga mytho avec vous en mode ouais bah je gagne pas bien ma vie mais bon, lâchez vos subs. Bah, comment ça va Hess? Comment tu vas depuis hier? Donc voilà, tout pour la plata, exactement. Donc voilà, n'hésitez pas, tapez point d'exclamation TikTok dans le chat, les modos si vous pouvez le faire, vous pourrez vous follow sur le TikTok. Et je déteste la plateforme, mais je ne peux pas renier que c'est une énorme source de visibilité. Et il y en a besoin. Ici, on a besoin de la visibilité. On n'est pas des graphistes, mais quand même. Enfin bref, stop the bullshit. Parce que bon, j'ai commencé un peu en retard le live. Désolé, mais vous, enfin, pour les nouveaux, vous allez vous habituer. Welcome. J'ai fait 129 morts. Ah oh ouais, je m'en souvenais pas, ça. Je croyais que j'étais à 113. Je me disais, il n'y a pas Rimka. Sachez que je le rappelle, voilà, les morts ne prennent pas en compte les 3 premiers lives ou les 2 premiers lives vu que j'avais pas encore de compteur de morts à l'époque. Bonne soirée à toi Mixal, merci d'être passé frérot. Salut Maël, comment tu vas? Comment ça à nouveau? Continuez, j'ai eu peur. Ah putain, j'ai perdu ma sauvegarde. Attends, j'ai pas encore compté les lives non comptés. Ah bah tu me diras le nombre... Alors, je pourrais... Petit rappel vite fait du dernier live, on s'est tapé, alors on a tapé Margit, on lui a baisé sa grand-mère, on l'a même one-shot. Enfin, on l'a one-tap, pardon. Après, on a fait Godric, le greffé qui a été juste très dur. Mais il était moins dur que quand on a fait la géole éternelle de Valorage où il y avait, je sais plus comment il s'appelait, le chevalier du creuset, je crois. Après, on avait aussi fait ça, l'ascenseur du chat, enfin le château, là. Le château de Tombe-le-Vent, de Vont-Arlant, pardon. Enfin voilà, et on a fait le boss ici. On l'a bien avancé. On a méga bien avancé. J'ai aussi profité de tout ça pour débloquer la partie est de la map. Enfin, les cartes au moins. Donc on va avancer dans l'histoire principale parce qu'en vrai, à droite, je peux pas encore y aller réellement vu que je me fais juste tabasser ma grand-mère. Hein. T'arrives, il y a des dragons, bon, ils sont bien maffés, bien tièbes.
Et voilà, si jamais je meurs et que j'oublie d'alimenter le compteur, n'hésitez pas, vous connaissez les gars. Hein. N'oubliez pas, je suis un avant tout un attardé. J'oublie tout. J'ai tendance à m'oblitérer facile. Les gars, sur Discord, vous voulez venir en vocal ou pas? Enfin, ou tu préfères être chill? Léo de toute façon, je me mets quand même, de toute façon, dans le channel. Si vous voulez venir, c'est comme vous le souhaitez. Salut mon Jean, un Jean fin sympathique, comment tu vas mon bro? C'est toi le beau gosse, arrête, wow. Tu dois changer ton pseudo mec, un Jean, FCV, un Jean fort sympathique, non, FCV, un Jean fort beau gosse. Ce sera un pseudo tellement long, pour te connecter ça va casser les couilles. Attends, on m'avait dit qu'il y avait un truc de... Putain, elle a commencé à me parler cette connasse, bon bah du coup, fuck for fuck hein. Cette fouine que Drake m'a... Mais il a serré lui. Quoi? Il vend des trucs lui? Oh la vache. Alors, manchette de bandit... Dis mon pseudo, je me renomme. T'es sérieux? Vas-y, attends. Vas-y, attends. Tu vas te renommer FCV tiré du bas 1 Jean... Ah, attends, on tire du bas. Fort BG. Comme ça, tu feras partie du FC Vélo pour la propagande. Très important. Par exemple, ça, c'est un PNJ qu'il faut éviter de tuer. Oui, j'imagine qu'un mec qui est juste après un boss, en général, il faut éviter de le buter. Doigt sanglant suppurant. Quoi? Ça a l'air bien, ça. Révèle les marques d'indication comme... Ouais, bon. Bah non, ça a l'air de la merde, en fait. Bon bah j'ai pas de truc à acheter dessus direct, j'en veux dire. Parce que je sais que dans le dernier live, il y a un gars qui m'avait dit... Je crois que c'était Wifro en plus. Et il m'avait dit que juste avant Godric, tu pouvais aller chercher une cendre. Ou une invoque, je sais plus. Déjà, il y a cette connasse de Stelle. Enfin, de Stelle. Le petit scarabée, là. Quoi? Il est pas mort? Non mais... Non mais c'est trop là. J'ai lâché une compétence pour même pas... Ah c'est ça, ok. Mandorage. Oh what the fuck? C'est Jar Jar. Après ces items sont gaze mais ça pourra toujours être utile. Ouais mais bon. C'est ça, autant avoir la liste de tous les marchands. Et si jamais c'est la sauce un jour, bah au moins on est tranquille. Les cendres de guerre, je dois les ajouter où? C'est dans le site, non? C'est aussi Tony, tout ça, vous voulez venir en vocal, les gars, je suis dans le channel. Hein. Vous connaissez. Attends, je vais pas mettre le truc du Discord en... Ici, plus là. Voilà. Non, c'est pas du tout là. Monter de niveau, je l'ai fait. Oh, je crois que je l'ai fait direct après. Tellement ça a été galère de. Je me souviens plus comment on l'a fini. Enfin, comment on l'a fini. Si, je me souviens comment on l'a fini. Mais en combien de temps on l'a fini le Godric? Mais il était. Il rigolait R le bâtard. Hein. Inventaire. Non, c'est dans l'équipement. Mais je suis en vie déjà, mais pourquoi je suis du père comme ça, frère? Ah, voilà, c'est juste moi qui suis... Ah non, c'était une compétence d'arme. C'était une compétence d'arme, le truc que j'ai ramassé. C'est quoi ça? Aspect du creuset, le queue? Vous faites apparaître une queue qui balaye la zone devant vous. Oh, bah oui, c'est la queue du dragon! Salut Clem, comment tu vas? Mais pourquoi Clem, ça te met en première utilisation, enfin première fois dans le chat? C'est pas la première fois. Bah bienvenue à toi quand même Clem, t'étais là hier. Salut Xeko, comment ça va frérot? Est-ce que ça vaut le coup en vrai? Une incantation? Non, ça a l'air d'être de la merde en vrai, parce que la queue elle était pas folle hein, quand je l'ai affronté. Je reviens après, je vais monter mes runes et j'ai essayé de tuer le chevalier dragon. Ok, bonne chance à toi Xeko. Le chevalier dragon, c'est celui que j'ai affronté hier, là?
Ou c'est un autre chevalier? Parce que en vrai, non c'était pas, c'était ça, son mandorage. C'est lui? Ah bah bonne chance hein, force à toi frérot. Les haches utilisées sur les épées tranchantes, les haches et les masses, ainsi que sur les armes d'Ast. Ouais bon, de toute façon j'ai une arme spéciale, je peux pas équiper quoi que ce soit. J'ai perdu mon compte. Ah merde! Merde, bah écoute. Coup dur hein. Bonne chance à toi Xeko quand même, force et honneur. T'as réussi la connasse glacée? Quelle connasse glacée au vert? Salut au vert, je sais pas si j'ai dit bonjour toi là. La connasse glacée? Ah si si oui, je l'avais fait, oui. Oui c'est C'était pas lui, c'était... Dans les... C'est Jol là, je crois. La boss. Je crois que c'était celle-là, ouais. Oui, j'ai le seum, mais bon. Ah, je comprends. Après, voilà, c'est qu'un compte. Alors, j'avoue que moi, si je perds mon compte Twitch maintenant, j'aurai un peu les morts, je vous cache pas. Oula, ça pue le piège, genre les dalles par terre, Wesh, c'est... Attends, mais c'était pour le gros Drix, ça? Bah, ça peut être que pour lui, il avait tellement un gros cul. Ok, gauche ou droite? Bon. On va aller à gauche pour voir. Ça sent tellement le plan cul là. C'est beaucoup trop calme. Beaucoup trop calme. Dans Elden, c'était trop calme. Dans un château, ça pue du cul. En ça, Elden Ring, meilleur jeu de 2022. Ah non, mais oui, c'est sûr. Hein, Et encore, moi je joue pas en ultra total à cause du stream. Mais quand il est en ultra, il est magnifique le jeu. C'est une salle de boss. Il y a forcément une connerie. Il y a une dinguerie ici, c'est sûr. Même pas? Wesh. Ce jeu, c'est une pépite. C'est, sincèrement, j'en parlais avec Gwen hier. Je pense que c'est sincèrement l'un des jeux qui va le plus me marquer dans ma vie, genre. Parce que c'est mon premier Souls. Mon premier Souls-like. Et que genre juste le jeu m'a... Bah il change ma vision du jeu vidéo en vrai. Hein. Avant ce jeu, jamais je me serais dit, vas-y je vais faire un jeu comme ça, un Die and Retry. Jamais je me serais dit ça. Mais il est mort, mais dans quelle position t'es mon ref? Tu joues en mode performance, c'est mieux que Pokémon en ultra. En mode performance. Clairement ouais. Tu parles en termes de PS5 toi maintenant au vert. Mode performance, qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que tu as oublié que t'étais pauvre? Je dis ça alors que bon. Je suis trop mal placé. C'est de ouf ça. Ça fait plaisir de voir le monde extérieur, putain. Ah, je peux enfin rappeler mon cheval. Pas pauvre, je suis juste réaliste. Les termes ont été dits. Bon, là, par contre, on va aller direct au niveau de l'horloge de FML, parce que sinon... on va juste galérer ça. Par contre, juste par contre... Est-ce qu'on en parle de la dinguerie? Putain, arbre de vie, décor où tu sais que si tu sautes, bon, bah, tu sautes, quoi. Tu décèdes... Oh, faut passer à gauche, je crois, j'imagine. Oh, quoique à droite, ça passe aussi. Ah, qu'est-ce que je peux descendre à droite, même? Ah si si, il y a des plateformes, let's go. Hop hop. Oh putain. Non mais gros, vraiment les Souls, ils ont décidé de faire des plateformes. Wouh. Ça va. Ouh. Et dites-vous le paysage encore une fois les gars. J'ai le jeu en minimum. Bon là il y a plus rien, mais j'ai le jeu en minimum. En ultra, bon je peux jouer que hors live en ultra. Mais c'est magnifique. C'est magnifique. Ça c'est un monde ouvert. Les gens ils parlaient de Pokémon. Oh, non mais. Pokémon Violet c'est trop bon parce que. C'est la première fois qu'il y a un monde ouvert. Le monde ouvert il est vide, il est moche. Là on a de la qualité. Il est vraiment trop beau le jeu. Mais oui, Crystalinx, mais vraiment je. Quand je pense que j'ai reçu, j'aurais jamais joué à Pokémon Violet les gars, vraiment. Heureusement je l'ai pas acheté Pokémon Violet. Hein. Oh, vive les émulateurs. Hein. Parce que tu vois, pour Elden comme pour Pokémon, moi j'ai d'abord testé soit sur émulateur, soit en jeu craqué. Et heureusement. Finalement, j'ai acheté Elden. Et Pokémon Violet peut aller se faire enculer. Hein. Je l'achète jamais ce truc. Hein. Never. Salut Kair, comment tu vas mon frérot? Comment ça va depuis hier? Oula, il y a des nouveaux méchants là. Ça, c'est des archers. Tu vois, là, je suis content de supporter From Software. Ah, bah oui, là, clairement, de ouf.
de ouf le support. Que ce soit des grosses boîtes ou pas, quand ils font des bons trucs, il faut les récompenser. Alors que là, Pokémon Violet, ils font de la merde, on les récompense avec v'là la thune. Non, bah non. Là, comme il faut, les fanboys de Pokémon, vous êtes trop cons. C'est quoi ton jeu? Mais c'est Elden Ring, KR. C'est un Die and Retry, c'est comme un jeu Dark Souls. Je sais pas si tu connais Dark Souls, c'est connu quand même. Et c'est un jeu très très dur, mais c'est très très beau et... Et franchement, rien à redire. Les gens qui disaient, ouais, il faut qu'il y ait un mode facile dans le jeu, c'est des grosses merdes. Hein. Même moi qui ai jamais fait de Souls avant, je sais que si t'enlèves la difficulté du jeu, bah le jeu en vrai, il perd beaucoup de son essence. Il perd beaucoup de son essence. Si ce jeu était facile, bah en fait, ce serait juste un beat'em all en vrai. Hein. Mais un beat'em all banal, genre. Wesh. Y'a une écrevisse? Non mais gros. Des fois, il y a des mobs dans ce jeu, je suis sûr, 100%, c'est un mec qui était au resto, il s'est dit, vas-y, c'est bon, je le dev. Je le design. Tu vois, juste là, l'herbe en minimum, l'herbe en minimum de Elden Ring est supérieure à celle de Violet, genre. C'est quand même... Ah bah elle est là, la stèle. C'est quand même honteux. Oh, waouh ! Wesh ! Je vais mourir. Ah, je peux mourir. Bah, je suis mort. Putain. Et allez, la première mort du stream. Let's go. On est en l'an 0. Ça ressemble à Skyrim. Ouais, c'est un peu dans le délire. C'est dans le délire un peu médiéval, maléfique. Il y a des dragons et tout. Et concrètement, le jeu, c'est un Die and Retry. Hein. C'est juste un pur Die and Retry. Et, putain, par contre, du coup. Mais c'est genre le jeu, c'est le bonheur que tu en tires, en fait, il est principalement... tu le tiens principalement des moments où tu bats un boss. Par exemple, hier, carrière, j'ai fait un boss, j'ai dû mourir 42 fois avant de le battre, pour apprendre son pattern et tout. Et... j'ai envie de dire, damn le pattern. C'était un gangbang. Ah non, mais là, oui, j'ai été oblitéré, hein, comme dirait l'autre. En vrai, je vais juste pas me battre. Pas me battre à cheval, parce que se battre à cheval, c'est toujours un giga plan cul. Par contre, je vais quand même récupérer mes merdes. Wesh! Voilà. Let's go. Allez, on développe la map. Salut Joris, comment tu vas? Le Joris. Comment tu vas, sale beau gosse, va. Salut Serpent Toufleur, comment tu vas depuis hier, toi? En même temps, si tu meurs tout le temps sur un sol pas modélisé, qualité dégueulasse, forcément tu vas lâcher le jeu. Ah non, mais oui. Après, Pokémon Violet, comme je voulais dire, il a des gros points forts, il a une fulgurance incroyable à la fin du jeu. Et pour moi, tu profites vraiment du jeu à partir de la fin. Mais c'est quand même dommage, quoi. Un jeu vidéo, pour t'amuser, tu dois finir le jeu. Et après, tu t'amuses quand il est déjà fini, tu sais. À quel moment c'est le post-game qui t'amuse le plus, quoi? Enfin, je trouve ça débile. Alors, par contre, là, ça m'a l'air d'être une giga-joule. Ça ou ça. Ou alors... C'est un château. Ça a l'air d'être un rempart aussi. Mais s'il y a des geôles ici, on va se les faire, hein, je vous le dis. On va se les faire. Je kiffe les geôles. Bah, ça va très bien, écoute, Joris. Ça peut que aller quand t'es là, mec. Mais qu'en plus je le sens parce que je pouvais pas te suivre, je me suis enculé par... Quoi? Ah, je me suis enculé par Twitch. J'ai rien compris ce que t'as dit, Clem, mais c'est pas grave. On est en l'an 0 et les mecs ils trouvent des poissons alors que je pense qu'en l'an 0 il y avait pas de poissons dedans. Oh là, wow! Clem, t'es défoncé. Non, c'est moi qui suis défoncé. Ça fait plaisir. Arrête. C'est moi qui te fais plaisir. Ouais, t'as capté. J'ai commencé Doom Eternal il y a peu, je kiffe. Mais il est sorti, il date de ouf Doom Eternal, non? Il est pas genre archi vieux Doom Eternal? Genre de 10-15 ans? Ou alors je confonds avec un autre Doom? Oh, what the fuck? Oui, c'est le château qu'il y a derrière l'arme en fait. Bah vas-y, let's go. Attends, on va quand même faire les petits trucs à côté parce que bon. Il y a potentiellement des grottes avec des dingueries, des ruines aussi, oui. Ça, c'est marrant, il n'y a pas de site de grâce.
Alors. Nope 2020 il est sorti. Ah bah écoute. J'ai dû. Je dois être totalement rincé. Par contre, il y avait totalement, y a totalement une ruine, mais il n'y a pas d'objet dedans. Normalement, les ruines dans les jeux vidéo, c'est. C'est bien, genre. Allez, ça dégage. Puis ce que j'aime bien avec Elden Ring, c'est que je trouve le jeu tellement paisible. Alors que t'es littéralement dans un monde démoniaque, hein. Mais je le trouve tellement paisible, le jeu. Après, je pense que Pokémon Violet a beaucoup baissé mes standards de jeux vidéo. Et genre en mode, même le jeu en minimum, là, pour moi, il est tellement supérieur à Pokémon. Oh, il y a un téléporteur, let's go. Et tout le monde souhaite la bienvenue à Natubio qui débarque pour la première fois sur le chat. Comment ça va, Natubio? Comment tu vas, sale beau gosse, va? Bon. Normalement, c'est plan cul de se TP comme ça, mais bon. Putain, j'espère que c'est pas un piège. 130 morts? Ouais, Natubio. Ça va être 130 morts. Mais après, c'est sur le, les, ce live et les deux derniers d'avant. Oula. On est loin de ouf, non? Ah, même pas? Oh, en plus, on a... Comme ça, du coup, je vois direct la stèle de... Bon, let's go. Bah, écoutez. On va aller voir la stèle, hein. Oh, oh. Oh, oh. Aïe, aïe, aïe. Ah, je sens que je vais peut-être pas dû aller par l'avant. Oh, putain! Ouh, et hop. J'ai de la chance en vieux front, là. On va se reculer, hein. On va se faire salement sodomiser. Je le sens... Ah, non, on est à côté. On est vraiment à côté, ok. Je vais aller trouver la stèle pour au moins débloquer la map. Histoire qu'on puisse avoir une meilleure vue d'ensemble de l'entièreté de la map. Et la map elle est gigantesque, hein. Tous les biomes différents, c'est incroyable. Alors le pseudo incroyable FCV1 Jean-Fort BG. Incroyable mec. C'est insane. Je kiffe. En plus c'est giga beau gosse avec le FCV devant. Mais après c'est quoi, c'est... Le FCV c'est comme ça quoi, on est un peu... Des faiseurs de beaux gosses. Alors, bah elle est où la stèle? Ah elle est là. Putain, site de grâce into stèle. Putain, j'ai vraiment trop de la... J'ai un vaginarium mon pote. Let's go. Et encore 130 morts, c'est pas beaucoup en vrai, Natubio, parce que du coup, j'ai les deux ou trois premiers lives, les morts n'étaient pas encore comptés à cette époque-là. Et que j'avais pas vu qu'on pouvait... Ah, c'est un village sur lequel je suis passé, là. Oh, wow, gros. La map, c'est ça, hein. Attendez, je vais faire ça avec la souris. On a commencé là, on s'est un peu arrêté tout, et je crois que ça se finit tout ça, là aussi. La map est immense. Ça, c'est du... ça, c'est un vrai monde... monde parallèle, j'allais dire, monde ouvert. Purée de moi, d'objectif, finir en dessous des 1000 morts alors. Ah, je pense pas. Je pense que je vais taper les 1000 morts. Hein. Parce que là, j'ai fait quoi? Je suis très très loin d'avoir fini le jeu. Je l'ai commencé quand tout début du jeu. En vrai, j'ai que 12 heures de jeu, je crois. 12 ou 13 heures. Et ce jeu, il est pas permissif. Hein. Mais si je crois en toi, vas-y. Si tu crois en moi, je peux que donner le bien de moi-même. Tu sais quoi, Esprit Nencho? Esprit Nencho, c'est rien avec Natubio. Let's go. T'es pas très optimiste, mais en même temps, en gros, je suis mort 42 fois sur un boss. Et c'était même pas spécialement un boss très difficile en soi. Ah. Enfin, un PNJ qui parle. C'est bien parce que t'as tellement peu de vrais de PNJ qui te parlent dans ce jeu. T'as tout le monde qui veut tabasser ta grand-mère. Ils s'en sont pris à ma servante Lania et genre... Faut que j'aille délivrer quelqu'un là. Ils s'en sont pris à ma servante Lania et refusent de les laisser passer. Et je refuse de... Ouais. Mais elle est où ta servante en fait? Tu parles mais... Vieillarde de l'augure des doigts. What? Oh, mais par contre quand ils ont donné les blases aux gens... ou au PNJ, mais il s'est passé quoi dans leur tété frère? Attends, je vais virer l'autre point, ce qui me perturbe de ouf. On va être discret, j'ai pas envie de me taper là. Salut Régis, comment tu vas BG? J'ai horreur de me taper avec les petits mobs, les télétrash mobs. Moi je veux juste me taper avec des gros cowboys. Ah, ne pas confondre avec j'ai envie de me taper des gros cowboys. Ça c'est tout à fait différent. Qu'est-ce qui se passe là?
J'ai réveillé un homard. Bah, y'a pas de graines. Si, la graine dorée, let's go. Ah, est-ce que je peux l'ouvrir là? Bah non, c'est, je suis con, c'est immergé. Ah bah non, mais si, si. Si je descends, quand même. Même pas? Oh ouais. Non, non, qu'est-ce que tu fais? Bah... Est-ce qu'il est très fort le... Là c'est un crabe, là c'est pas, là, c'est pas une écrevisse, c'est un crabe. Ok. Ouais. Ok, les 1000 morts, ça va pas être, ça va être compliqué. Hein. Ah ouais, cette pute. Ah, il m'a exterminé. Il m'a tout shot. T'as le phénix, tu relèves toujours de tes cendres. Absolument, ouais. Quoi? Mais je suis où? Mais j'étais absolument pas là tout à l'heure. Ah si. Je pense que le mieux, au lieu de les affronter en frontal, déjà je vais récupérer mes runes. Ce serait pas mal. Et je vais reprendre le téléporteur que j'ai pris tout à l'heure. Ça me permettra de me TP juste derrière eux et de m'esquiver une grande... Bah un grand pétage de gueule en fait. Juste... Il t'a pincé les couilles. Ah non mais plus que les couilles là. Il a pincé mon âme à ce niveau là. Ok. Objectivement de 2000 morts c'est mieux. Ouais c'est plus réaliste déjà. Plus réaliste. Après, encore une fois, esprit shonen. Le fait qu'on ne puisse pas regarder la carte quand t'es à putain de cheval, c'est vraiment une débilité, mais incroyable. Hein. Je sais plus très bien où est le téléporteur, mais on va le retrouver. On va le retrouver, c'est pas un souci, ça. On a fait pire que ça. Pire, pire, pire. Parce que vu la taille du château et vu le nombre de gardes, y a clairement une oméga dinguerie en face. Par contre, j'ai clairement pris le mauvais chemin là. C'est pas du tout le bon portail que j'ai pris là. Wesh. Attends. C'est là que je devais aller. Non, ça c'est. Ah, c'est. Non, si, on peut, mais vu que j'étais en combat. Il fallait que je me casse avec le cheval et que je sorte de la zone en fait. C'est ça que je voulais dire, Natubio. J'ai dû me gourer. Je me suis mal exprimé. Excuse-moi, je suis étranger. Attends, mais... C'est super chelou que... Parce que du coup... Attends, mais je suis où exactement? Ah non! Ouais, c'est dans ce sens-là que je devais aller, non? Oui, c'est ça. En fait, j'ai perdu où est la stèle. Donc du coup, bah... Un pro, écoutez. Hein. On poursuit encore? Ah, les putains de chiens. Foutez-moi la paix! Ah, ici, il y a une stèle. Non? J'ai soutenu la merde? Ok. On passera plus tard. Hein. Pas trop envie de me faire déchiqueter le trou de balle, là. Ça c'est pour plus tard. Là je vais juste retrouver le portail. Attends mais... Fraté. Déjà je sais même plus, mais vraiment je sais plus où était le truc de... Putain heureusement j'ai un casque. J'allais me faire tabasser dans le dos pour R là. Il y avait une stèle tout à l'heure. Bon dans tous les cas j'ai avancé par là-bas je crois. J'ai avancé vers là. Et j'étais tombé dans des ruines. Bah c'était pas ces ruines là d'ailleurs, en vrai. Bon app Joris, merci à toi d'être passé frérot. Nourris-toi bien mon bro. Voilà c'est ça, et voilà. J'avais trouvé les ruines purifiées. Elles étaient vides, je dis pourquoi c'est vide. Et là, pas trop loin d'ici, il y a le portail. Voilà c'est là, ok. Eh dites-vous bien, j'ai trop de chance parce que d'habitude j'ai aucune mémoire pour ce genre de truc. Aucune. J'ai déjà du mal à me rappeler de ce que je fais dans la journée, mais alors des distances.
C'est un tout autre univers. Parce qu'en vrai... Ah bah en plus il y avait une, un site de cendres ici, je suis un connard. Oh, je fais trop pas attention à mon environnement quoi. Et du coup j'imagine que là c'est un Omega Boss. Carte lieu de rendez-vous. Vous avez trouvé une carte rudimentaire, consultez-la depuis votre inventaire. Ok. Bah tu les trouves ou tes cartes ça, à la compte Taras. Ah voilà, carte lieu de rendez-vous. Examinez avec la touche X. Carte rudimentaire trouvée sur une dépouille, elle semble indiquer un point de rendez-vous. Ouais, alors je ne connais clairement pas assez la map pour savoir ce que c'est ça. Ça pour moi... C'est autour d'un... Il y a un château, ok. Alors si je juge... Par rapport à ce qui existe déjà de la map... Non... C'est pas là non plus. Ah, potentiellement là. Genre je... Non. Je trouverai plus tard. Par contre, je crois que je peux pas rentrer là. Ah si. Vous ne pouvez pas continuer sans clé de pierre d'éclat. Et on la trouve où cette merde? Une clé de pierre d'éclat? Et il va falloir beaucoup plus de... En tout cas, c'est un lieu que tu as. Attends. Donc il y a un petit château avec une petite île sur le côté, mais frère, où est-ce que tu trouves ça? Où est-ce que ça pourrait être sur la map? Donc c'est un petit château, enfin un château sur une... Bah après j'ai pas découvert tous les points d'intérêt. Salut Choupa, comment tu vas? Eh oui les gars, pas de backseat si jamais hein. Le château est plutôt grand. Bah pour moi le plus grand château que j'ai fait, enfin... Peut-être là. Bah ça m'a l'air d'être là en fait, parce que je vois... Bah on verra plus tard. Bon, dans tous les cas j'ai pas la clé pour ça, et c'est dommage parce que ça a l'air d'être une oméga dinguerie hein. Ça va, tant mieux ou pas, tant mieux. Par contre, on va juste retourner sur mon projet initial qui était d'aller enculer les gens qui étaient là. Parce que je pense qu'ici, c'est trop haut level pour moi encore. De notre point de vue, c'est hilarant, ça. Vous êtes des chiens. You are dogs. Je peux aller voir la vieillard, je la verrai plus tard. Allez, petit poney. Et tout le monde souhaite la bienvenue à Nomuro qui débarque pour la première fois sur le chat. Comment ça va, Nomuro? Merci à toi pour le follow. Bienvenue à toi qui est le plus beau. Et merci à toi Natoubio pour le follow. Je vous laisse les boys, bonne soirée à tous. Mais merci à toi frérot. Merci pour d'être passé, merci pour le follow. Bonne soirée à toi beau gosse. Ah, il doit y avoir des grottes de malades mentaux ici en fait. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Est-ce qu'on peut grimper par là mon ref? Alors, est-ce que je peux grimper en étant à la verticale? Quasiment à la... Totalement genre. Ok. Oh putain c'est stylé! C'est oméga stylé! Pfff. Oh, yeah. Imaginez un jeu Pokémon avec ce genre de monde ouvert. Là, on pourra parler de meilleur jeu Pokémon ever. Et c'est faisable. Hein. Que ceux qui me disent que là, non, la Switch, elle peut pas faire ça. Oh gros. Littéralement, il y a 5 ans, au début de la Switch, t'avais l'autre... merde, Breath of the Wild. Hein. Ça a l'air pas mal, ça. Comment tu vas, Verlap? Quand tu vas, Step Brother? Merci beaucoup pour le sub. Bienvenue à toi dans le club. Désormais tu es un nez.
énorme vélo. Merci Hess, tu m'as fait flipper ta grande race avec le son, putain. Oh putain, j'ai sursauté sa grand-mère. Hess qui offre son sub à Clem GG, incroyable, merci à toi mon ref. C'est quoi qui m'a attaqué, frère? On m'envoie des flèches dans le trou de balle et... Et ça s'annonce pas. C'est qui, wesh? Eh, c'est qui, là? Salle d'études de Caria. Bon. J'ai vu que tu avais peur et ça a rentable le sub. Ah là, bon, là, c'est bien rentabilisé, hein. C'est super bien rentabilisé. Tu m'as... J'ai fait... Quoi? Mais y'a quelqu'un qui me tire dessus, j'ai pas vrai accès à ce point quand même. Bah, j'ai même pas vu toi. Quelque chose doit être posé sur ce piédestal, piédestal. J'ai dit piédestal. Salut Wars, comment tu vas mon ref? Bon, bah écoutez, on va... avançons, j'ai envie de dire avançons. Ok, bon, bah tout le chemin mène ta Rome apparemment. Ah, j'avais même pas capté que c'était un ascenseur. Ok. Oh, il va vraiment que j'aille falloir, il va falloir que j'aille acheter une torche, hein. Ou une lanterne, je sais pas quoi, quelle connerie, parce que là c'est plus possible. Il hein. Y a trop de salles obscures là. Putain, damn. C'est super calme. C'est beaucoup trop calme. Et Rastem, tu m'as menti. Quoi, comme ça je t'ai menti? Qu'est-ce que j'ai dit? Je ne mens jamais enfin. Oh shit. Ok, une attaque chargée normale suffit. Une lampe dynamo, c'est pas mal. Ah là, il me faut une frontale, hein. Il faut une giga frontale. Et de ce que je comprends, on a l'air d'être dans un truc où on va affronter des fantômes. Ah. Ok, des douves. Tu m'as dit dans ta dernière vidéo, tu expliques l'origine de l'expression faire son vélo. J'ai regardé, j'ai rien vu. La dernière vidéo best of. Mais le dernier best of Twitch. Dernière vidéo, c'est pas dans la dernière vidéo. Oh, mais il y a des fantômes partout. Bah. Tu fais quoi? Mais précise toi aussi, mais je l'ai dit! Là c'est toi par contre. Hein. Oh c'est lui qui me tire des flèches depuis tout à l'heure! Ok. Attends, je m'occupe de tes frérots là. J'ai esquivé! J'ai esquivé! Oh ouais. Ok. Il y a un petit boss, un beau souné. Franchement, c'est un Kunchi, ça va. Un Kunchi, hein. C'est H-I-E. Hein. Bon. On va récupérer notre stuff et on va lui tabasser sa grand-mère. J'en ai marre d'être con. J'en ai giga marre d'être con, bordel. Il y a littéralement... C'était moi il y a 5 minutes. Oh, il y a l'ascenseur. Oh, j'avais oublié. Oh, putain, j'ai perdu mes runes. Putain. Et tout le monde souhaite la bienvenue à Moué... Oh là, putain, ton pseudo. W Medo ou alors... Mouedo. Mouedo. Comment tu vas, mon bro? Bienvenue à toi sur le stream. Bon. Putain, en plus, je le vois. Je le vois, le putain de levier. Salut, Lolo Duclos. C'est quoi le but du jeu? C'est Elden Ring. C'est un jeu d'aventure. Enfin, d'aventure. C'est un Die and Retry concrètement. T'évolues dans un monde médiéval fantastique et démoniaque, dark fantasy si tu préfères. Et t'as des mobs, t'as des boss et tu dois tuer tout le monde et faire des quêtes et survivre enfin. Ah d'accord, il a apparu parce que j'étais juste en dessous de lui mais... De lui. Je savais... Salope! Mais
Ok, ça a l'air cool. En vrai, c'est, il a été élu meilleur jeu de 2022 et c'est full legit. Full legit. Merci pour l'accueil, les amis. Mais on accueille toujours bien les gens. Les nouveaux, on les accueille bien comme les... Même les anciens, tout le monde est bien accueilli ici. Ça tiendrait qu'à moi, chacun aurait sa pute de luxe à l'accueil. Le problème, c'est que ça coûte un peu cher. Et je les ai déjà promis aux membres du FPV. Nouveau clavier. Ah, salut Malrapouti, comment tu vas? T'as quoi comme clavier, mon bro? Eh, dites-vous bien que mon clavier, je l'ai depuis 10 ans. Il est même plus léger, il est même plus géré par le logiciel G-Hub de Logitech, genre. Pour vous dire à quel point il est vieux. C'est un G110. C'est quoi cet ennemi? Ah, c'est un mini-boss, en fait, c'est un... Mais il est nerveux, en fait, il me touchote, quoi, donc... Et le problème, c'est qu'il a ces deux petits connards de putain de potes, là, donc il va falloir que je sois... Drakkar? Je connais pas. Faut que je sois vif. What? Ok, il est con. Ça va, il est con. Merde, je l'ai raté, putain. Lui, il m'a pas raté, par contre! Esquive! Wouh! Oh là là, bâtard! J'ai esquivé! Il a vu le job! Sale bâtard, va. Wouh! Fonce. Faut lui niquer sa mère. Faut l'oblitérer. Non! Non, faut chance. Non! Frère, qui se bat avec un arc à coup portant? À bout portant, pardon. Je crois que j'ai le même clavier chez moi, MDR, c'est celui avec le bas en rouge. Non, c'est pas celui-là. C'est le mien est vraiment plus vieux que ça. Il y a pas de couleur rien. Enfin si, il y a du RGB, mais... Tu sais, c'est pas le RGB bogo, c'est juste genre les lettres qui sont illuminées, quoi, tu sais, bon bah... Oh, des lettres bleues. T'aurais pu littéralement les peindre en bleu, en fait, mais bon. Moi, je trouve... On sent que j'ai une haine du RGB ou pas? C'est un clavier du CDI. Ah, ça me respecte pas, là. Ça me respecte pas à ce point, j'ai un clavier du CDI, moi. En vrai, ouais. Non, en vrai, c'est un clavier gaming, mais c'est l'un des premiers claviers gaming de l'état à l'époque, genre en mode, genre les jeux... Le gaming à l'époque, c'était pas aussi marketing qu'aujourd'hui, quoi. Attends, il a dit quoi? Marabouti, je suis sûr que tu l'as acheté à Paris ton clavier parce que Paris Drakkar. Ah oui, d'accord. Oh, oi, le level quoi. T'es mal à taille de la blague. Attends, mais je suis un connard, j'ai un bouclier, j'aurais pu l'utiliser. À chaque fois, j'oublie que... J'ai raté le fantôme. La honte. Merci à toi pour le follow. Bienvenue à toi qui est le plus beau. Et merci à toi Enzo pour le follow. Comment tu vas Enzo? Ça va, il est con. Il est con. Oh non, enculé. Ah, il est pas si con que ça. Sale bâtard! Sale bâtard! Arrête ça! Et il s'enfuit en plus! Hé! Hey oh, j'affronte Sangoku! Non mais j'affronte vraiment Ishida dans Bleach là, c'est trop! En plus, c'est un chien à invoquer ses potes là! Bah ça va très bien, écoute, tout le monde souhaite la bienvenue à Enzo qui débarque pour la première fois sur le chat, les gars. Les gars, venez vers moi, faut que je vous tape, là. Il faut que je t'encule, là, ouais. Heureusement, il est mauvais, l'archer, hein. C'est l'archer main. Voilà. Enculé de merde, ouais. Bon.
Une petite potion cérulienne là, mon cul. Je reviens sur ma fiole. Et on va le tabasser. Non ! Mais le timing est horrible ! Le timing est horrible ! Ah ouais, c'est même pas un vrai boss. Ah, même ma boss dans mon slip est mieux que lui. Oi, 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 oi. Fonce lui dessus sans réfléchir, c'est la meilleure technique. Ah bah non, mais là, oui. Je pense qu'à un moment donné, ses potes sont lents. Ses potes sont lents, ils ont l'air un peu cons. Donc faut que je lui rentre dedans et que je lui déboîte sa grand-mère. Parce que là, depuis tout à l'heure, j'essaie de dodge, mais le problème, c'est que son pattern est dégueulasse, quoi. Faudrait que je compte le temps qu'il met avant que je puisse... qui tire et que je puisse esquiver, mais c'est chiant, je suis pas là pour faire des mathématiques. Si je veux compter, je retourne en maternelle. J'accompagne Norman et c'est réglé, quoi. Je comprends pas pourquoi elle t'a fait autant de dégâts. Après, j'y ai joué il y a plus de 6 mois, donc je me souviens plus trop. Ouais, mais Medo, je pense que en vrai de vrai, il y a moyen que je fasse un truc qui est trop high level pour moi. Je pense que j'ai mis beaucoup de trucs. Il devait y avoir beaucoup de trucs ici que je devais faire et que j'ai pas fait, je pense. J'ai que 12 heures de jeu, donc j'ai pas beaucoup d'amélioration et tout, donc je pense que c'est juste moi en vrai. Hein. C'est absolument pas mal le jeu, mais bon. Maintenant que je suis là... Je l'ai eu! Incroyable! Ah, j'ai raté! Mais... Oh oh. 1, 2, 3, 1, 2, 3! Putain, mais casse les couilles! Ah! Ouh! J'éteins la lumière. Mais pourquoi il dé... Il est chiant. Hein. Eh, tu sais quoi? 1. Il y a même pas de 1, 2, 3. Ah ouais. Ok, là il est de l'autre côté du coup maintenant, j'imagine. Quoi? Non, pas lui, pas lui, pas lui. Fonce, fonce, fonce. Ouah, ça fait si mal. Non! Non, je peux pas l'affronter, je peux pas l'affronter, je vais sortir de là. Ça sert à rien. Je me fais déboîter ma grand-mère, là, c'est bon, là. Et les là, pour le coup, autant sur un boss, je sais quand je vais canner, je sais quand je vais pas canner, là, c'est pas possible. C'est pas possible, je vais en faire bien, je vais retourner là où j'ai fumé Godric. J'ai forcément raté des trucs. J'ai forcément raté des trucs, c'est pas possible que je galère autant, là. Le coup de grâce du random, mais de ouf! J'ai rajouté une mort d'ailleurs, j'ai oublié. 138 morts. C'est sympa, j'ai commencé il y a 50 minutes le live, je suis déjà mort 6 fois pour rien. C'est génial. Ah, j'avais même pas vu qu'il y avait un. Qu'il y avait un petit. Ah, pas si petit que ça! Pas si petit que ça en fait! C'est abusé comment elle te touche. Ouais, non, mais c'est ma faute. Je me balade dans des trucs où je connais pas le niveau. Enfin, on te donne jamais le niveau de la zone où t'es, tu vois. Genre là, tu vois, par exemple, j'ai esquivé. Alors qu'en vrai, je pense que je le tabasse. Mais bon, on va pas l'affronter. C'est bon, j'en ai déjà fumé un au tout début du jeu. Là, juste, je me tape l'effigie de Marika, là. Vas-y, essaye. Non, non. Je peux pas, là. Là, je peux pas, là. Un mob qui me touche, c'est trop, tu vois. À la limite, 3-4 shots. Voilà, tu vois, histoire de passer une bonne soirée, mais là, gros, tout shot. Tu te rends compte du degré de jeu, du non-droit à l'erreur. Il est horrible. Ah, c'est pour descendre. Ah, y'a un site de grâce, let's go. C'est pas l'entrée du château de tout à l'heure, ça? Si, c'est là. C'est elle. On en parle quand même que la plus grosse escroquerie de ce château, c'est que j'ai foncé tête baissée juste pour arriver jusqu'au boss et que c'est passé, genre. Alors qu'en vrai de vrai, je me suis fait enculer, hein. Ouverture impossible de ce côté. Ah non, mais c'est chiant, ça, par contre. J'ai pas repassé par là, sérieux. Après tout ce qu'on a vécu. J'ai une petite question, tu me conseilles d'acheter ce jeu, sachant que j'ai jamais fait les Dark Souls. Alors, personnellement, ce que j'ai fait, j'ai craqué le jeu avant pour tester. Mais moi, sachant que je n'ai moi non plus jamais fait aucun Dark Souls et que c'est pas mon type de jeu de base, j'ai kiffé, j'ai fini par l'acheter.
Je pense que tu peux aller acheter assez facilement. Tu peux aller sur G2 Player, je crois que je l'ai acheté, ou G2 Play, où j'ai acheté le jeu, il était à 33€. T'auras une clé. Ah, ou alors tu peux, si tu veux l'acheter sur Steam pour pouvoir être. Ou alors tu peux l'acheter sur Steam et tu peux te faire rembourser si tu joues moins de 2 heures. C'est très bien aussi ça. Il y avait pas un gros ici tout à l'heure? Ah! C'est bon, il est là. Wesh, wesh, wesh. Non, mais regarde le gros! Facile. Ouah, hey, je l'ai sandé, on 2. Raviole de viande crue, quoi? Le mot raviole est vraiment éclaté au sol, hein. 138 morts, c'est sûrement mon nombre de morts que j'ai eu contre Godric. Ah ouais? Godric, en vrai, Godric, je crois que je l'ai fait en... Je l'avais fait en 25 essais, je crois. Pour l'instant, pour moi, le plus dur, ça a réellement été... le chevalier du creuset. Je crois qu'on a fait 42 morts hier, quoi. Oh, et juste après, c'était... Limiel. Lui, il m'a fait 22 essais, quoi. 20 essais ou 22 essais, je sais plus. Perso, j'ai jamais fait de Souls car je suis pas trop tryhard de base. Et là, Elden Ring a été mon plus gros coup de cœur depuis Zelda Breath of the Wild. Mais pareil, pour moi, c'est un énorme coup de cœur. Et sincèrement, je pense que c'est un des meilleurs jeux vidéo auxquels j'ai pu jouer de ma life, tu vois. Alors qu'en vrai de vrai, il révolutionne rien, quoi. Il révolutionne rien du tout, mais il est juste très très bon dans ce qu'il fait. Et ça suffit. Et c'est la preuve que c'est pas compliqué de faire des bons putains de jeux vidéo. En 2 ans en plus, il a été fait le jeu, les gars. Donc, moi, je suis très très content de ce jeu. Rien à dire, franchement, même bien m'a fait bien tiède. Il a 30 balles sur Instant Gaming, ouais, voilà, c'est ça. Mais après, si jamais il aime pas le jeu, tu vois, il peut tester vite fait 2 heures. Et il se fait rembourser par Steam après, tu vois. En mode, ouais, j'ai pas aimé le jeu. Après, voilà. Moi, sincèrement, pour moi, à moins que tu détestes réellement, mais vraiment fortement le tryhard, en mode, t'aimes pas mourir, t'es un rageux, ou t'es trop sensible. Non, pour moi, ce jeu, c'est une masterclass. Je l'ai acheté, dites-vous bien, j'achète très peu de jeux en vrai. Hein. Surtout des jeux solo. Des jeux solo, dites-vous bien que y en a pas des masses qui m'en font. Waouh. Ok, je venais de là. Bon, on va visiter les zones à côté. Ouais, je vais plutôt faire passer par la gauche. Après, moi, je sais que le jeu... Oh, il y avait une putain... Il y a un site ici, je l'ai même pas capté, quoi, mais... Oh, je fais aucun effort. Je fais aucun putain d'effort. Mais c'est quoi, les jeux solo qui t'en fait waouh? Bah, en fait, récemment, il y en a pas, en fait. Récemment, il y en a pas. Si, bref, si, Pokémon Violet, quoi. Waouh, c'est de la merde. Mais sinon, tout le reste... Il y a pas de jeux solo, hein. Moi, je suis là... Si, allez, si je suis très gentil, Uncharted 4, quoi. Mais c'est, après, c'est, ça compte pas parce que j'ai de l'affect avec Uncharted, vu que c'est mon premier jeu... Uncharted 2, ça a été mon premier jeu en HD, tu vois. C'était mon premier jeu sur la PS3 et tout, je m'en souviens encore aujourd'hui. T'es un gentil, ouais. Il est chauve, il peut être que gentil. Ah, l'arme de vie? Attends, c'était quoi? C'est pas une clé de l'arme de vie que je devais... Faut que je crafte une clé de l'arme de vie avec des larmes de vie? Non. Vas-y, je vais bien te donner 10 runes. Ah, c'est vrai, je suis un personnage féminin, moi. Étudie à la sorcellerie, t'as quoi, toi? Bon, ouais, j'ai rien compris. Pokémon à côté, c'est vraiment une merde infâme. Ah, mais même tout seul, c'est une merde infâme, hein. Le jeu est bien à partir de 20 heures de jeu, quoi. Et il y a des gens qui défendent ce jeu. Il y a des gens qui défendent Game Freak d'avoir sorti un jeu pas fini, non optimisé et moche, qui bug. Et où le moment le plus ouf du jeu, c'est littéralement la toute fin. Sinon, y a rien. Comment on va là-bas, mon ref? Wesh. Bah, frère. Mais c'est pas ça, le point de rendez-vous? Et,
Eh, attends, mais pourquoi là il y a une séparation là? Ah non, c'est la séparation des zones. Je sais pas. Sûrement un pont invisible quelque part. Saute, fais-moi confiance. Non, je fais pas confiance dans ce chat. Je sais que ce chat est chargé de mauvaises intentions. Il y a un pont en bas là, voilà, voilà. Saute. Ah vas-y, saute. Ah, fais confiance, non? Pierre calorifère, ouais. Je savais que vous étiez des méchants. Eh, je vous affronte au sol. Hop! Ah, oh, mais t'es pas faible en fait! Il a perdu ça à ça. C'est une honte. J'ai raté. C'est une honte ça aussi. Ah, meurs quand même, meurs. Un peu de décence, merde. Quoi? Ah non, oui, c'est les squelettes, ils reviennent à la vie. Putain, c'est horrible. Putain, heureusement j'ai l'ultra instinct, je savais qu'il était là. Ah mais il est mauvais de ouf. Oh le karma. Oh le karma, vas-y vite. Ah ouais, putain. Passe ta CV, fais-moi confiance. Putain, je suis casse-couille à être con comme ça. Ça c'est... Je reconnais, c'est que je suis une grosse merde. En plus, il n'y a même pas l'air d'avoir un truc bien là-bas, genre. Le karma. Ah non, je me suis fait karmater si vite. Karmater Bushido. Hein. Bon, en vrai, je vais pas les affronter, ça me sert à rien, parce qu'ils ont pas l'air d'être... Je déteste les squelettes. Je pense que les squelettes font partie des mobs les plus chiants pour moi, juste parce qu'ils régènent. Enfin, juste parce qu'ils reviennent à la vie pour rien, genre. Et que tu peux pas viser bien les... Les moments ils sont en bleu, tu sais, genre, enfin, pas en bleu, mais... Le petit laps de temps, ils peuvent... tu dois les tuer, quoi. C'est un peu haut, là, non? On va dire. Pouah là là, PGM. Pouah là 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 là. Parcours! Parcours! Ah, il y a un camp de concentration, là. C'est le Mont Rochemort, je sais pas, je dis n'importe quoi. Bon bah, on va vous fumer monsieur hein. Oh oh. Oh. Wesh. Il m'a touché là vraiment. J'aime trop utiliser mes compétences, enculé. Cours, 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 cours. Ouais, mais pas la chute fantôme là. Ils reviennent à la... Pas à la vie pour rien, ils reviennent à la vie pour t'enculer. Ouais, c'est ça. Ils... Bah, ils ont un objectif. Allez, je te découpe. Bon. Y'a des frites? Ça faisait barbecue ou quoi là, les gars? Mais frère, tes potes, je les ai chelassés. Tu t'es pas dit, faut que j'aille les rejoindre? Quoi? Merci à toi pour le follow. Bienvenue à toi qui est le plus beau. Et merci à toi Regan pour le follow. Comment ça va Regan? Bienvenue à toi sur le stream. Attendez, je viens de faire une galerie. Ah, parce que je l'avais dodge. J'avais fait un dodge parfait, j'ai fait un contre, je suis con. Je crois. Ça allait si vite, si fluide. Alors, manuel d'artisan des pierres d'éclat, ok. Putain, mais il était à chier leur camp, quoi. Oh, ils foutent les morts, là, d'avoir une édifice comme ça. Il y a rien, frère. Mais qu'est-ce que je fais, putain. Attends, mais il y a une autre partie à gauche. Je me souviens plus si la map est plus grande que ça ou pas.
Et bois. Bah attends, mais il est où le pont là de... Oh, 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 freine doucement, freine doucement. C'est le deuxième coupé de cette arme. Ah bon? Mais j'ai fait comment pour le faire? Je suis même pas au courant. Parce que c'est... En plus c'est une attaque putain de rapide, dans lequel il me la faudrait. J'ai fait comment? J'ai fait des trucs dont je ne suis pas au courant. Parce que dans ma tête j'ai fait une roulade et... Une attaque lourde quoi. Bah je sais pas ce que j'ai fait. Je sais pas comment je l'ai fait mais... Je crois que c'est ça, roulade et attaque simple. Ouais c'était ça, c'était roulade et attaque simple que j'ai fait. C'était juste un bon enchaînement de... De coups je crois. Je crois hein. Ah une petite stèle pas loin, let's go. Wesh. Ok. On va se repousser. C'est un coup spécial ça? Bah je suis pas sûr hein mais En tout cas, bah, je l'ai trouvé archi rapide l'attaque et je l'avais jamais faite avant. Salut Miklundav, comment tu vas mon frérot? Un marchand. Qu'est-ce que tu as? Attends, je vais vendre des conneries. Je dois avoir un balle de pierre là, voilà. Il fait une attaque en reculant au début. Puis si tu t'appuies vite, il dash pour terminer sa SP. Mais non, c'est ça? Et il faut que j'appuie sur quoi? Sur l'attaque lourde ou l'attaque légère Ah non, sur la compétence, j'imagine. Attends, ça veut dire que... C'est-à-dire que si je fais ça, il recule. Et si je leur fais vite... Non. Je sais pas. Et salut Nightopo, comment tu vas frérot? Tout le monde souhaite la bienvenue à Nightopo qui débarque pour la première fois sur le chat. Oui, c'est ça! C'est ça, oh putain mais c'est incroyable, pourquoi j'ai... Attends mais ça consomme deux fois plus alors? Ouais ça consomme deux fois plus. Oh! Depuis le début je savais pas ça quoi. What? Ah je peux améliorer des trucs. Oh je fais d'abord les chevaliers dragons ou le dernier boss que t'as fait hier. Ok y'a pas de... Je sais Zexeko. Ah tu l'as fait ou pas d'abord? Ah non tu demandes, d'abord le chevalier dragon ou le dernier boss que t'as fait hier? Le chevalier dragon quand même. Parce qu'il a... Godric lui c'est un boss principal. Alors que l'autre c'est juste une joule. Je savais pas qu'en fait la compétence spéciale de l'arme du limier, de limiel pardon, elle me permet de faire une double attaque rapide en fait. Enfin, mon attaque lourde de base, la compétence, et aussi ensuite enchaîner avec un dash pour lui niquer sa mère. Putain mais c'est trop bien. Ouais rapide entre guillemets, hein, ça reste une arme, enfin je reste juste un gros port de samouraï. Hein. Merci à toi pour le follow. Bienvenue à toi qui est le plus beau. Merci Nightopo pour le follow, tu régales mon bro. Bienvenue à toi dans le FC Vélo. Désolé j'ai hésité à t'en parler pour pas backseat. Et mon explication était éclatée MDR. Non mais les trucs où concrètement c'est sûr que je devine pas tout seul, vous pouvez me le dire parce que ça c'est pas du backseat. Mais et puis ça me fait pas, c'est pas dans l'histoire en fait que ça me permet d'avancer ou c'est pas ça me débloque pas la situation en vrai. C'est juste un truc que j'étais censé savoir mais que je ne savais pas. Juste parce que je connais pas mon arme. En plus je suis sûr c'est un connard, je suis sûr c'est écrit sur l'arme quelque part. En mode les compétences qu'elle a. Bonus d'attribut non? Comparer des tailles, ah on peut faire comparer des tailles. Mais j'apprends, mais pourquoi je lis jamais moi les touches quand je joue à un jeu vidéo bordel? Putain enfin, je pense qu'il y a des gens qui savent pas lire et que moi je gâche ce super pouvoir. Alors, oh une lanterne, let's go, enfin. Putain, plus le temps qu'il me fallait une lanterne. Il est bien ce bouclier par rapport au mien ou pas? On peut pas comparer ce que j'ai directement sur moi je crois. Alors mon bouclier à physique, puissance de garde 100, 147-53, ouais. Merde. Monsieur? Arrête de parler, je vais juste acheter des trucs. Ouais non il est moins bien. Il est à peine, il est à peu près équilibré mais il est à peine moins bien quoi. On peut changer l'affichage. Ok.
T'inquiète, t'es dans les clous. Non, t'es dans les clous. C'est juste que je suis une merde. Bâton d'astrologue. C'est pour faire de la magie, ça, j'imagine. Même pas. C'est de la... Ah, juste de la sorcellerie. Quoi, mais je comprends rien. Alors. Où est-ce qu'on met la lanterne? J'imagine que c'est dans les boucliers, même pas. C'est quoi cette merde? Saut du décide. C'est toi qui décide. Comment j'équipe la lanterne, les refs? Non, meilleure question, où est la lanterne? Ah, attends. Alors... Puis en plus, Non, je dis une connerie. Car tout le monde s'en fout, c'est comme la notice d'utilisation, mais de ouf. Il y a quelques armes qui ont la même mécanique de spé en deux parties. Le mieux, c'est d'essayer. Ok, d'accord. Bah maintenant que je le sais, je le testerai. J'ai perdu ma lanterne. Eh, en vrai... Mais en vrai, ce chapeau est mieux que mon truc. Pourquoi je l'utilise pas? Où je le mette? La tête de diablotin, là. Elle a mieux que mon truc de merde, là. Attends, comment on fait pour comparer? Y'a pas. Bon bah, nique ta mire. Hein. Nique ta mire. Alors, là, c'est mon samouraï de base. 3, 3, 1, 26... Ouais, non, je vais mettre la tête de chat après. Pop. Femelle, t'es vraiment un stagiaire. Hein. Ah, mais ouais, mais Femelle, le stagiaire, ou hein. C'est pas l'épée de Godric, ça? Ah, oui, oui. Les gars, elle est où, la lanterne? C'est pas possible. Comment j'ai fait ça, frère? Ah, elle est là. Mais je dois la mettre. Je peux pas la mettre sur. Comment on fait pour la mettre en équipement du dessus là? Dans la. Parce que là j'ai un emplacement sur ma croix directionnelle en haut là. Je peux pas mettre la lanterne dessus là? Comment je fais déjà? FML à l'aide! À l'aide! Stagiaire! Il est super doux! Ah, attends. Oh mais comment je fais pour ça? Non, ça c'est pour le cheval. Salut Mel, comment tu vas? Son écrasement au chevalet, j'ai envie de l'enculer. Ah ouais, l'écrasement, je m'en souviens, il est horrible. Oh la lanterne, je la mets comment? Est-ce que je peux la mettre dans la sacoche? Enfin, en raccourci Y, là? Mais c'est chiant, quoi. Moi, je vais la mettre... Zub. La lanterne, en gros, c'est dans ton... Attends, c'est équipement déjà? Ouais, c'est de l'équipement, genre, c'est comme descendre... C'est comme les méduses et tout, genre, tu l'équipes. Ah, tu l'équipes sur ton arme? Non, mais non. Sur le bouclier? C'est pas une cendre de guerre, une méduse, c'est une invoque. C'est comme les popos, tu peux les mettre en raccourci. Tu peux les mettre partout. Là, par exemple, tu peux la mettre en bas, là. Ah, ok! C'est bon? D'accord, mais mais pourquoi je l'ai pas dans les... Parce qu'en vrai, c'est-à-dire que... Voilà. Ah ouais, mais c'est super chiant, je peux pas l'avoir en haut là dans la croix directionnelle. Comment ça? Si. Enfin, non, haut, c'est les sorts, haut. Faut pas. Attends, on peut pas customiser ça, c'est quoi? Dans quel monde on vit? Bah non, c'est pas grave. Ah, c'est le monde Elden Ring. Bon, je te laisse dans ton live, il faut rejoindre mon pote stagiaire. Ouais. Voilà, allez, ciao. Ah, ciao. Bah ça va très bien, écoute Mel. En vrai, je vais le mettre dans le truc du Y au lieu du truc de gauche. Là, je l'ai jamais utilisé le truc de gauche, donc c'est quoi ça? Réminiscence de grâce. Non, je veux l'enlever. Je m'en sers jamais en vrai, donc on va mettre la lanterne. Putain, la lanterne là, je l'ai pas vue. Donc ce qui fait que si je fais ça... Incroyable. Et là, c'est la lanterne que je mets sur ma ceinture. Donc je suis tranquille. Bah voilà. Let's go. Regardez. J'apporte la lumière sur ce vent là. Putain, la galère de ouf.
C'était qui? Lolo, c'était Lolo, c'est FCV FML du chat. C'est un des modos et un des membres éminents du FCV. Oh putain, mais vraiment faire du parcours sur ça là. En plus c'est un parcours pour descendre, c'est pas un parcours pour monter. Bah frère, là va falloir... Oh putain, y'a une joue juste au-dessus en plus. Non mais il faut jouer à Mario, je joue pas à Mario là. J'ai cru que j'allais décéder. Ok, faut que je trouve un moyen de monter. Et on va se taper le... J'ai encore une clé lame de pierre, moi. Parce que c'est bien de se vouloir se taper des choses, mais... Si j'ai pas de quoi le faire, qu'est-ce que tu fais là, toi? Il est mignon, il croit qu'il me fait peur. Ah, mais voilà, nickel. On va se monter en l'air et on va affronter la geôle. Premier boss, le premier... pourquoi j'arrive pas à sauter? Ah non, c'est... Oui, pourquoi j'arrive pas à sauter? Voilà. Une ruine dorée. Voilà. Il est où le... Je peux y aller direct? Y'a pas la tête de cul de lion là, je sais pas quoi là? Bah écoutez... David Goudenov, Ferenov. C'est parti. Ok, c'est une joule ouverte. Let's go. Alors, FML, enfin un des stagiaires lançait une prédiction. Est-ce que je fais ce gars-là en moins de 20 morts ou pas? Je ne connais absolument pas qui c'est. Je vous laisse jauger. Si vous pouvez augmenter, si vous voulez augmenter ou descendre le nombre de morts les stagiaires, mais on verra. Déjà, je sais que le premier truc que je fais, c'est ça. Non, je le fais, Théma, je lui ai mis un coup, il est déjà... Ah, oh, c'est trop bien, le double dash. Mais putain, mais ça m'aurait tellement servi plus tôt. Ça m'aurait servi si tôt. Non, tu te heal pas, tu meurs, j'ai dit. Quoi? Attendez. Quoi? Wesh. Son Goku. Facile. Bah one shot hein. Attends, comment cette geôle peut être aussi simple? What the fuck? Comment il peut être aussi nul? Y'a même pas eu le temps de voter dans la prédiction quoi. Ah non mais déçu. Attends, toutes les geôles que j'ai fait jusque là, c'était des dingueries. Je me faisais tabasser ma grand-mère comme Jaja. Ah ouais. Bon bah écoutez. On va pas se plaindre. C'est toi qui es trop chaud. Right. Bon, c'est vrai que j'ai un peu pris de level depuis hier. Tu sais, quand tu tapes Margit et l'autre connard de Godric dans la même demi-heure. Bon voilà, c'est vrai que... Ouais. Ah non mais je suis outré. Mais même pour eux. Même pour eux en fait. Vous gardez de la merde les gars, hein. Faut changer de métier. Bah on va avancer écoute. Hein. Ah bah en plus il y a un site de grâce juste... Mais pourquoi je suis con comme ça? C'est un truc de ouf ça. Ah, Mirune, j'ai dû garder des runes quand même. J'ai combien de runes sur moi là? ?8455. Bah écoutez, on va monter l'intelligence. L'esprit? Arraché app. Ouais, l'esprit, parce que je suis un peu en retard au niveau esprit. Quoique en vrai, les PV, hein. Toujours les PV, vu comment je me suis fait chlasser tout à l'heure. Moitié PV à la 6ème tentative, putain, 2 fois d'affilée. Ah putain, dommage. Ouais, mais il est vraiment dur, Execo, dis-toi, hein, ce perso de merde. Hein.
Tu m'as vu galérer hier, c'était pas un enfant de cœur. Hein. Hier ou avant-hier d'ailleurs? C'était avant-hier je crois. Ah non, c'est hier. Attends mais... Putain de merde, bon allez on avance dans le tas et on verra. Hein. Je suis sûr que j'ai raté une giga grotte quelque part. Attends, dans le doute, on va remonter et avancer. Salut. Ah, c'est dommage parce que j'aime tellement faire les joules. Tu vois, c'est tellement paisible dans le chaos. Et là, c'était trop simple quoi. Mais après, quand j'ai vu le gars et j'ai vu qu'il me ressemblait, je dis ouais, bon, tu dois être nul à chier toi. Toi, je te tabasse, c'est sûr. Et je lui ai mis le premier coup lourd là. Je dis ah, c'est de l'eau. C'est un méchant ça? What the hell? Oh putain! C'est des méchants! Oh, les gars, ils lancent du fumigène, c'est des techniques de CRS. C'est des chevaliers ou des CRS, faut savoir là. Pff, oh là 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 là. Quand je pense que ça là-bas, on y était tout à l'heure, ça, c'est, putain, mais c'est. Attends, c'était celui-là là-bas? Ouais, c'est celui-là là-bas, je croyais. Mais ce jeu est masterclass et j'ai pas le jeu en ultra. Quand j'aurai ma nouvelle carte graphique, les gars, dernière génération, vous allez voir. Hein. Les streams vont être monstrueusement trop beaux gosses. Vous n'êtes pas prêts. Hein. Sachez que votre follow et vos subs, vous allez pas les regretter. Hein. Clairement pas. Hein. Vous allez voir des jeux, mais limite plus beaux que dans la vie réelle, carrément. Ouais, alors ça faut que j'arrête de faire des trucs comme ça, moi. Ah, nickel. On va aller tabasser du chevalier. Eux, ils m'ont pas vu, tant mieux. Je vais prendre leur pote par derrière. Ouh, pou, pou, pou. Ouh. Ok, Sasuke. T'es mignon toi. Hein. T'étais mignon toi presque. T'es quoi, je vais même fumer tes potes derrière. Je les prends de front. Je les prends à la Yumi comme on dit. Hein. Quoi? Oui. Cours. Wesh, mais regarde pas les fleurs, regarde le méchant. Attends petit. Oh j'ai dit attends. Laisse-moi prendre ma potion frère. Oh oh. Enculé. C'est vraiment pas nice. C'est vraiment pas nice ce que tu fais là. Je vais te niquer. Putain, oh. Bon, potion. Merde, c'est pas la bonne. Attends. Attends frère. Oh yo 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 yo. Ok. Bon. Voilà. Putain, j'ai très très mal joué celui-là. Hein. Oh, je l'ai super mal joué. Il aurait pu me sodomiser à toutes les sauces. Sauce de misée. Brévière. Belièvre, non? Même le mini-boss avec l'arc, il est plus puissant que l'autre boss. Ah non, mais oui, clairement, le boss de la jaune, là, ouais, non. Le mini-boss de... Le Queen Shield a été beaucoup plus fort. Beaucoup plus fort. T'as pris la confiance, là. Ouais, non, mais t'inquiète. J'avoue qu'affronter une merde, ça m'a remonté dans mon ego là. On va aller chercher un peu le défi. Une plage ou c'est juste une putain de falaise? Eh, hey. En vrai, il y a un monde, hein. Mais on va pas le faire. Parce qu'on est pas con. Ok, faut faire un détour là, j'imagine. Ah, une petite grotte là, les amis. Ah putain, encore les oiseaux de mauvais augure.
Merde. Mais il se passe... Quoi ? What ? Je suis où, frère ? Ah, ok, je suis dans une zone... Ah, mais en fait, c'est non, c'est une... je peux pas passer du tout, là. C'est une giga falaise. Ouais, non, c'est bien le bord de la map, je crois. Du coup, je suis re au marécage de tout à l'heure. Mais c'est-à-dire que je me fais... tabasser mes grands morts, là, par ce crabe, par exemple. Bon, dans le doute, hein. Passons en très vite, il mangeait, on va pas le déranger. J'aime pas déranger les gens qui mangent. Oh là, putain, si j'étais à pied. Ah, il y a un truc là-haut. What the hell, mais c'est... What, c'est un crabe ça aussi? Ouais. Ah non, non, c'est bien une autre zone en fait. Ok, ok, c'est bien une autre zone, mais j'ai juste pas accès au... Au bail, quoi. Je peux pas monter par là? What the fuck? Putain, il est magnifique le château au fond. Hein. Oh putain, sauce, sauce, sauce! Quoi? Comment il m'a touché, frère? Mais dans quel bordel on est? Gentil ou méchant, vous? Clairement méchant. Oui, clairement méchant, oui. On reviendra plus tard. J'ai compris que j'étais pas le bienvenu. J'avance dans le... Dans l'inconnu, hein. Chaud ou pas, là? Ouais, chaudrai plus tard, en vrai, parce que je pense que vaut mieux que je grimpouille. Grappouille du verbe grappouiller. Ah quoique. Ah, viens là petit. Descends, descends. Faut pas que j'oublie d'aller d'aller au centre de la terre là, enfin la table ronde là. Pour essayer de forger une clé de l'arme de vie, je sais pas quoi là. Je sais pas si je peux le faire, mais je pense que ça doit se crafter. Ça doit clairement se crafter directement dans la table ronde. Dans la salle de la table ronde. Ah, ça c'est un guet-apens, je reconnais. Ils sont pas très bons les gardes, on va pas se mytho, hein. Tu passes à côté d'eux dans le plus grand des calmes. Ah ah, ça lance des flèches. C'est mignon. C'est quoi cette merde? Toi t'es un méchant toi, je reconnais. Oh oh. Holy shit! Oh lolo, toi t'es la sentinelle, j'imagine. J'ai esquivé! Et ouais, je me mets à côté de toi, tu... Ok, je... Ah non, mais... Non, mais monsieur! La branche d'arbre! Ah! Ok. Je me suis retrouvé dans un combat de boss sans le vouloir. Aïe, il m'a écrasé ma race.
Non, j'étais un connard d'y retourner direct. C'est la merde. Oh, c'est la merde. Il est même pas mid-life, j'ai déjà plus qu'une potion. What? Phase 2. Non. Choc en vie. Comment j'ai fait? Là par contre je suis dans la sauce. J'ai plus de rien. Non. Je peux le faire. En vrai je peux le faire lui. Je peux le faire. Là j'ai fait de la merde. J'ai fait de la merde. Mais je peux le faire. Et en fait la 140e mort. Joyeux anniversaire. Je peux le faire. C'est absolument pas un souci. Mais le premier try était pas dégueu hein. Le mob, le boss est super lent. Je viens de capter son... Sa phase 2. Je pense que en dodgeant bien. Et là je savais pas dans quoi je m'aventure. Je crois que j'avais pas toutes mes potions. Mais pour un first try c'est pas mal. Je vais récupérer mes merdes là parce que bon. J'avais un peu de runes quand même sur moi, monsieur. Franchement, là, on peut l'esprit shonen. Par contre, il faut pas du tout que je l'affronte dans des... trop proches de l'arbre. Je me suis retrouvé coincé dans les racines, frérot. Toi, viens. Voilà, viens là. Faut pas que j'attaque deux fois d'affilée, par contre. Là j'aurais pas dû, tu vois. Ok. Oh. Vite. Non. Merde, chocolat. Non. Oh, j'étais à rien. Oh, et je lui ai mis deux tiers de sa vie dans sa gueule. J'ai juste choqué à la fin parce que j'étais trop concentré sur mes potions. Mais je peux le faire trop deux tries seulement. Franchement, 4 tries grand max. 4 tries grand max. Je pense. Putain, plus je suis... Juste à côté du respawn quoi. Allez viens Stepbrother. Viens là Stepbro. Viens là. J'ai pas la bonne fiole mais t'inquiète. Merde. Oh je choque dès le début. Je l'ai pas tapé une seule fois. Bon, oubliez ce que je vous dis du 3-4 fois. Mais attends, mais ça parlait de bouffe, j'ai même pas vu. Il va se taper une tartiflette, ok d'accord. Tartiflette, j'aime pas des masses en vrai. Je trouve que c'est vachement lourd pour ce que c'est, tu vois. Bah après, c'est le but aussi un peu, hein, mais... C'est pas spécialement mon délire, t'as vu. Non, je l'ai évité ça. Non.
Non, y'a le chevalier qui se ramène. Non. Oh, j'ai fait une connerie. Ah non, c'est lui qui les invoque. Non, c'est... Non, putain. Non, c'est la merde. Oh, il l'a tué. Ah bah merci. Merci. Ok. Oh oh. Non 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 non. Pfiou. Ok. Non. Putain, enculé. J'ai esquivé, mais j'ai appuyé sur la touche. Ça dégoûte. Non. 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 Il a rien. Il a rien. Oh, je le fonce dessus. Let's go. Je suis le putain de meilleur. Si. Pouah, cette zone elle est simple. Je me tape des boss, frère. 3-4 TC. Ah ouf, sinon je le trouvais un peu trop calme, toi. Comment ça va, Joe Gijon? Elle est énorme, hein. 30 cm. Non, c'est pas... Non, je devrais le préciser que c'est effectivement pas 140 morts sur ce boss là, sinon je suis une énorme merde. Non, là je l'ai eu en 4 fois, je crois. 4 ou 5 fois, je crois. C'est pas trop loin de ma prédiction, du coup. L'arme de cristal cérulienne. C'est totalement ce genre de truc que je dois utiliser pour crafter la clé de l'autre connerie, non? Je suis à 15 essais. Force à toi, Xeku. Hein. Force à toi, je connais. Je crois que c'est mon premier gardien d'arbre que je déboîte. Mais du coup, je suis en bord du truc. Mais en plus, c'est dans une zone que je vois même pas où est le putain de truc, quoi, de... Pour voir la carte. Lui, là... Putain, heureusement, le gros, il a fumé, lui, hein. Putain, il s'est ramené dans le combat dans le plus grand des calmes, quoi. Ah bah, ça va très bien, écoute. Là, on est en rampage, là, pour ce stream, là. Je fais pas mal de... Je fais pas mal de boss, là, depuis tout à l'heure. J'ai pas trop difficile, pour l'instant. Heureux, Joris. T'as bien mangé, mon bro? J'ai bien fait des boss, là, et... Ça fait bizarre, d'ailleurs, hein, parce que je pensais que les boss seraient tellement durs. Parce qu'hier, on a quand même affronté Margit, Godric et le chevalier du Creuset, et pourtant, le chevalier, lui, tout seul, il m'avait bien tabassé ma grand-mère. Hein. Nice. T'as mangé quoi, Joris? Est-ce que c'était bien maffé, bien tieb? En vrai, j'ai bien envie de me faire les autres arbres. Je les ai jamais fait, les autres arbres, hein, quand j'y repense. Ouais, je les ai jamais fait. Allez, on va aller voir l'arbre du monde mineur, là. A plus, Loulou. A tout à l'heure, mec. Non, mais... Je pense que vraiment le... Mon pire ennemi dans ce jeu, c'est la gravité. C'est le sol, en fait, mon pire ennemi. Mais je suis où, frère? C'est pas là que je voulais aller, moi. Ah putain, je suis là. Mais non, mais c'est pas là que je voulais aller, frère. Mais c'est terrible. Ah non, mais je suis une giga merde. Hein. Pour le coup, tu sais pas voler. Ah non, là, clairement. Dans un RPG, je suis clairement pas voleur, hein. On va aller se faire l'arbre du monde mineur, il y a peut-être une sentinelle là-bas aussi. Parce qu'en vrai, de vrai, comment dirais-je? Les sentinelles, c'est totalement... Parce que, dans mes souvenirs... Là, il y a la zone où j'étais TP, là, tout en haut de la map, là. Il fallait une clé de... Là. Il fallait une clé de l'arme de vie. Alors, je sais que je vais totalement être outmatch, et qu'ils vont être beaucoup plus forts que moi, les gens que je trouvais là-bas. Mais en vrai, de vrai... J'ai bien envie de voir ce que c'est, quand même, tu vois, c'est...
si on m'a TP là-bas directement, enfin si j'ai trouvé un TP pour aller là-bas directement, c'est qu'il y a, il y a un bête de bail. C'est pas juste je débarque, comment vous m'avez trouvé? Ouais non, il y a forcément une sentinelle que j'ai pas vue. Parce que là c'est les mêmes trash mobs que pour l'autre là juste avant. Ça m'étonne d'ailleurs que j'ai pas encore fait, que je me suis pas spécialement intéressé aux arbres, alors que littéralement quand tu regardes le ciel, tu les vois et c'est ce qu'il y a de plus beau quoi. Juste après aimer évidemment. Ça va me faire discret pour pas qu'il m'entende lui, voilà. Ouais, il y a une sentinelle là, let's go. Il y a la marque ici. Putain, à chaque fois j'oublie comment on descend du bordel quoi. Ok. Prends l'épée à deux mains. L'arme pour. Je suis à fond les ballons, let's go. C'est les mêmes, non? Il a le même pattern, si je dis pas de bêtises. Me dis pas qu'ils ont tous le même pattern quand même. Wouah! Il est tellement plus faible lui! Bah, lui je le one shot hein. C'est exactement le même, je le one shot hein. Non merde, enculé! Ah ah ah, il est déjà face tout! Face tout! Festus! Tu fais mal quand même, monsieur! Bon, arrêtez! Un peu moins de violence! Un peu moins de violence, toi, tu es gros! Tu es grosse, Mélissandre! Pute de Mélissandre de merde! Quel chien! Enculé! Non, mais... Oh, enculé! Me tue pas! Me tue pas, j'ai dit! Eh, les arbres, ils sont chiants de ouf! Let's go! One putain de tap! Bon, j'ai perdu beaucoup de mes potions par contre dans ce délire. Purée avec du jambon classique? Ouais, mais c'est dans les classiques qu'on fait les meilleurs pots. C'est pas du tout la bonne phrase, mais t'as capté. L'arme de cristal pourpre. Non, mais c'est sûr que c'est avec ça que je craft. Facile. Merci à toi pour le follow. Bienvenue à toi qui est le plus beau. Oh, putain, mais wesh! Mais laissez-moi. Nique ta mère. Merci Antoine pour le follow. Pour le follow, putain, il est pas mort! Merci à toi, Antoine, tu régales. Comment ça va, Antoine? Bon, on va changer de site. On va faire cet arbre-là, tiens. Cet arbre-là. Ouais, mais là, c'est à Khalid. Non, mais ça veut dire Khalid, ils sont beaucoup plus énervés. J'ai peut-être dû faire celui-là avant. Bon. Eh, un arbre, c'est un arbre, hein. Ouais, on va pas aller là-bas. Pas tout suit. Ouais, on bat les couilles de ça. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée que je fasse Kylie, enfin l'arbre de Kylie? Putain de merde! Bah, ok, il abandonne. il m'a conseillé d'abandonner. Lui-même sait. Là, y'a pas de boss là. Ah si, en bas. Ah non, non. Ah si! Mais je l'ai déjà fait lui! Même que j'étais pas assez au level à l'époque pour le faire. Pas de soucis, Xeko, bon tryhard à toi, bro. Attends, comment on atterrit directement en bas là? J'ai pas envie de. Eh, tu sais quoi, vas-y, on va jumper. Hein. Ah, mais non, on peut descendre par là, je crois. On va se le faire. Je crois que c'est même si c'est le boss qui tourne autour de l'arbre cette fois là. Ouais, c'est ça. Je suis déjà venu ici.
Vas-y, on va tenter, hein. Ça se trouve, j'ai tout à fait le niveau, je suis pas au courant. Hein. Bon, par contre, vous, cassez-vous, quoi. Ouais, il est là. Ouais, mais... Mais casse-toi! Avatar putride. Ok, c'est lui. Ok, la première fois, j'avais pas confiance, maintenant j'ai la conf. Oh merde! Ok! Alors je peux le faire, mais il m'a one shot là! Ou alors c'est... Attends, s'il me one shot, je vais pas try. S'il me one shot, je vais pas try ça, gros. Je sais pas s'il m'a one shot ou s'il m'a tapé et en même temps il y a des petits trucs en bas là qui m'ont attaqué. Enfin, ces petits lasers. Attends, mais il est direct en phase 2? Ah ouais, non, il... c'est pas du tout le même modèle. Je me suis... Non, il one-shot pas, il one-shot pas, mais je me suis trompé. Il y a de l'acide. Non. Attends, mais je peux pas contrecarrer putréfaction, moi. J'aurais pu le faire. En fait, le problème, c'est que j'ai dash vers... Ok, faut pas... quand il saute, faut pas que je dash vers lui. J'ai dash en arrière. C'est peut-être pour ça qu'il y a... Ok. Il y a le tour de l'arbre. Ok, lui, je pense qu'il va me falloir une bonne dizaine de coups. S'il reste au même level, ça devrait aller. Comment j'ai pas esquivé ça, mon ref, par contre? J'ai perdu mes runes. Putain! 13 000 runes! Parce que je connais son pattern. Okay, en fait, c'est la putréfaction qui me dérange. Il me dérange. Je vais trouver un moyen. Je vais trouver un moyen. Esprit Nencho, ça change pas. C'est juste qu'en vrai, la zone, elle est nulle à chier, quoi. Why? Wow, putain. Genre tu me touches, frère. Voilà, on esquive la putréfaction, ça devrait aller. Putain de merde. Wouah, les lasers, ils font si mal. Il a failli se tirer, ce bâtard. Viens là. Mais tu vas où? Oh là là, putain, le mauvais dodge. Vraiment, encore les lasers là? Affronte-moi pour de vrai, frère. Oh, je peux pas le pousser et le faire tomber là? Oh, je l'ai fait, je lui fais un bête d'enchaînement là! Je vais mourir. Non! La putréfaction! Let's go! Oh oh. Non! Je l'ai mis mid-life! Non, le décor est horrible. Là, vraiment, c'est... je me bats pas contre le boss, je me bats contre l'arbre. L'arbre et ses racines et ses peaux, là. Oh, des racines et des chiennes, c'est trop, là. Mais je peux le faire. Je l'ai mid-life. Mid-life au quatrième essai, c'est faisable. Comment ça va, Astro Cookie, mon bro? Ça va très bien, écoute, merci à toi de demander. Eh, tu sais quoi, nique sa mère, les runes. Faut que j'esquive la putréfaction de ouf. What?
Mais non, mais le pont, frère. Je manque de pot, mais non, j'en manque pas. C'est trop. Bah t'as raté des... Là, je fais les boss qui est en bas des arbres. En bas des arbres au monde mineur. Et celui-là, il est corsé. Hein. Je l'avais déjà affronté. Enfin, je l'avais plus ou moins déjà vu. Je l'ai jamais réellement affronté. Et là, j'avoue que... Non mais frère. Frère. Oh là 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 là. Oh, ça me saoule. Oh là 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 là. En plus, il éjacule du cul du sang, frère. C'est trop, quoi. J'ai trouvé un moyen. J'ai mis mid-life tout à l'heure. Y'a pas de soucis là-dessus. Putain, je pars vraiment avec une fiole en moins. Eh, tu sais quoi, je préfère que tu me butes. Non, vas-y, non, c'est bien. On le fait à l'alpha. Vas-y, envoie tes lasers. Why? Why? Vraiment là? Mais j'ai dodge, je me suis arrêté! Recrystallink, bah là je continue de faire les sentinelles, enfin les trucs de, autour des arbres de vie là. Les arbres de vie. Les arbres de monde mineur. Et celui-là, celui de Kaelid, il est dur. Les autres, ils sont... Attends, mais les autres, ils sont trop... Non, mais en vrai, je le fais trop tôt. Parce qu'en vrai, je suis con, parce que Kaelid, je suis pas censé le faire maintenant. Mais mon ego me dit que j'ai commencé, je vais continuer. Attends, déjà, si je suis pas un connard... Déjà, j'avance comme ça. Voilà. Ensuite... J'ai dodge. J'ai même dodge dans la vraie vie, frère. Cours. Attention, putréfaction. Ok. Est-ce que je me suis accroupi derrière un rocher? Tout à fait, et je vous emmerde. Arrête de reculer, tu fais 10 fois ma taille. Comment je peux rater des dodges aussi faciles? Vraiment, quoi. Pas aussi facile qu'avant. Ah non, mais là, rien à voir, là. Oh, on a tapé deux arbres de vie. Facile à se fuck, et là, d'un coup, là, c'est... C'est Tata en Congo, quoi. C'est rien à voir, quoi. Mais, je maintiens que je peux le faire. J'ai pas forcément le meilleur setup. Non, je me fais taper par ça. Non, c'est une honte. Putain! Mais j'ai appuyé. Des fois, j'ai l'impression que j'appuie. Faut que j'encule la touche, en fait. Merci le pot. Oh putain. Ok. Mais je vous jure qu'à chaque fois qu'il fait l'attaque en latéral, en plus son attaque latérale est nulle. Je le tape, hein. Oh là là, mais... Vas-y, sa mère. Non, mais vraiment, c'est trop. Mais il me coince dans le truc. Oh là 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 là. Son attaque laser, elle me casse les couilles. Est-ce que je peux les lasers, je peux les bloquer avec le bouclier? Mais est-ce que c'est assez efficace? Je give up pas, mais c'est juste qu'il casse les couilles. C'est j'ai casse couilles. Et j'ai pas give up là, je suis juste bloqué. Et quand tu es bloqué dans eux, hein, clairement.
Non mais putain de merde. Putain mais je... La caméra qui est aux fraises avec Imagine tu l'affrontes depuis tout à l'heure, tu sais toujours pas son pattern correct. Non mais la gravité. La gravité. Mon pire ennemi. Je me disais aussi pourquoi il y avait rien derrière moi. Pourquoi il y a rien qui me bloquait. Bah oui, quand il y a le vide, il y a le vide hein. Pourquoi ça m'a fait respawn à Khalid? Ah putain, j'ai dû bouger sans faire exprès, putain. Non, je m'en fous, on va l'affronter. On se l'affronte, on se le tabasse. Attends, j'ai tapé la sorcière qui était là l'autre jour et là, je peux pas me taper la sentinelle, là. Pas à nous, enfin. Un peu de décence. Oh, cassez-vous avec vos lances, là. Je vais le tenter de l'autre côté. Oh putain. Ok. Putain. J'ai pas mon bouclier. Je suis un connard. J'avais pas le bouclier. Chou. Oh oh. Putain, il fait chier. On va travailler avec le bouclier. Ok. Non, tombe pas dans le vide. Non, ça dégoûte. Salut Antoine, comment tu vas? Tout le monde souhaite la bienvenue à Antoine qui débarque pour la première fois sur le chat. Ça va très bien, écoute, mais ça t'a demandé mon bro. Non, en vrai, je peux le faire celui-là. Là, pour le coup, j'ai clairement pas de Jack, il me met un quart de ma life en un coup. Enfin, il me reste un quart de ma life en un coup. Qu'est-ce que je pourrais faire pour éviter les lasers, mon ref? Ah ouais, mais en même temps, j'ai réussi à le mettre mid-life. Ça me casserait les couilles d'abandonner sur ça, là. C'est pas Esprit Shonen, ça. Ça, c'est Naruto Shippuden, c'est de la merde. Là, on veut être Naruto le vrai. Et tu sais quoi? On fonce direct dans le tas comme assis, on s'en bat les couilles. La putréfac... Je vous jure que j'appuie dans... faut que je mette une caméra sur mes couilles pour que je vous montre que j'appuie sur les touches en fait, c'est trop. Déjà moi je galère il y a deux jours, les lasers faut juste run sur le côté. Ouais mais le problème c'est que je peux pas vraiment run sur le côté bien vu que c'est en cercle et je suis bloqué par les pots et par le vide. C'est un peu complexe. Et puis si je suis trop près, bah je me fais avoir par les lasers, quoi. Et puis c'est pas le même géant que... Enfin, toi t'avais un des géants encore pire, toi. Moi, il est juste putride. Mais non, mais je suis touché. Mais je reste debout. J'ai... Je sais même plus comment vous dire que j'ai bien dodge là. Si tu maintiens ta logique. Ouais mais je peux que courir qu'en arrière pratiquement, donc le laser il va quand même me toucher. Si sur le côté c'est trop dur. Vas-y, je vais try. Je vais le buffer. Je vais le buffer.
Et ouais, moi je prends des potions. Ouais, est-ce que j'ai pris mon cheval pour fuir? Absolument oui. Je vous emmerde. Mais j'ai appuyé, putain! Non, faut, en fait, faut que j'appuie fort sur ma putain de manette. Ok, il veut le... J'appuie! Non mais... Bon, là, j'appuie dans le mauvais timing, certes. Et là, je suis bloqué, je vais mourir. Là, je vais mourir putréfié. Ça va. Vas-y, viens. Ah, ça me touche pas de là. C'est une honte. Ça fait longtemps que je l'ai battu, du coup je me suis un peu trop le croix. Quoi? Il faut le faire le tour de là, comme ça tu évites les lasers. Ouais, c'est ce que je fais depuis tout à l'heure. Mais le problème c'est que je le fais beaucoup trop tôt en fait. Je devrais pas être à Kaelid là. Je devrais pas être à Kaelid et clairement il frappe super fort. Juste un de ses lasers me met mid life et sur un de ses coups me met tier life. Donc je tente encore une poignée d'essais, mais après je vais devoir baisser mon froc et aller ailleurs. Hein. Non mais en plus je fais de la merde dès le début là. Ok. Bon allez, on y va premier degré. On fait du perfect. Putain mais s'il a une P2 je suis dans la merde. Hein. Parce que pour moi sa P2 est déjà en P1. Donc ça donne quoi quand il est full power? Merde, c'est moi qui ai mal dodge. Mais... Relève-toi, cours. Bois. Cours. C'est la putréfaction. Non, je l'avais dodge. Ça aussi, je l'ai dodge. Hein. Ok. On court. Putain. Il fait si mal. Non, t'inquiète, les esquives, pas besoin de m'expliquer. Je préfère apprendre. Là, pourquoi je préfère apprendre quand ça c'est. Cette partie-là du gameplay, tout ça. Mais non, mais frère. T'es sérieux? Encore les lasers. Sois un bonhomme, affronte-moi pour de vrai. Mais wesh! T'es une merde! Mais arrête! Y'a que des lasers tout le temps! Non mais frère. Il va m'avoir qu'avec des lasers. Frérot, c'est Freezer. Non mais je vais mourir. Je vais putain de mourir avec ces putains de lasers de merde là. Ah.
Non, non, il est trop trop fort pour moi. Non, non, frérot, c'est laser qui me poursuivent le cul. Bonne nuit, Régis, merci à toi d'être passé, frérot. Là, je suis obligé de... Je suis obligé de le laisser, là. Salut, c'est Lazy, tout le monde souhaite la bienvenue à Lazy dans le chat. Va au corps à corps, tu te prendras que des lasers. De laser. Ouais, mais j'ai pas le choix, attention, le corps à corps, j'ai que ça, quoi. Non, mais en fait, dans tous les cas, vu à la... Comment il me tabasse fort, je peux pas, je peux juste pas. Son laser est mid-life, lui il me tire life, non. Je vais faire un de ses cousins. Ça marche comme avec les meufs. Dès que t'arrives pas à pécho la meuf, tu prends sa cousine. C'est une technique ancestrale. Pareil. Je pense que tu devrais déjà finir Ilurnia. Ilurnia, c'est ce qui est en haut à gauche, non? Ouais, non, mais c'est moi, je sais pas pourquoi j'ai voulu... En fait, je sais pas pourquoi dans ma tête, je me suis dit que tous les arbres au monde étaient nuls à chier. Alors que c'est faux. Par contre, les gars du FC, si vous voulez venir en vocal, moi, vous savez, hein, je suis dans le chat sur Discord. Ça fera de la compagnie, là. Bon. Parce que là, pour le coup, c'est la deuxième fois que je le croise, il m'a tabassé ma grand-mère. Hein. Oh, moins que la première fois, mais quand même. Hein. Comment ça va, mon Léo? Ça va, nickel. T'as bien mangé ta tartiflette, là? Ah ouais, elle était incroyable. Tant mieux, mon step-brother. C'est quoi, ça? En plus, je reviens, je te vois galérer, c'est encore mieux. Mais est-ce que c'est pas ce qui arrive tout le temps sur Elden Ring? Quoi? Je vais me taper contre un ours, là? Bon, dans le doute. Merde. Ah bah là, tu vois, je pouvais pas me taper avec les ours avant, maintenant. Maintenant, je l'ai Naruto. Où est-ce qu'il m'emmène, lui? Une idée. Ça sent le coup fourré, ça, je reconnais. Mais il m'emmène juste vers l'ours géant, là. Wesh. C'est long, monsieur. Est-ce que vous pouvez... Ah, Non, mais en plus, c'est un fantôme, il peut pas être fatigué, il peut courir, normalement. C'est écrit dans la convention. Il a un cul, le gars. Force wesh. Ah, comment il a géché en balou. Oh, il m'emmène... Oula. Vas-y, t'as plu. Dans le doute, c'est... Non, mais en plus, ça va... Mais... Enfin... Ça va commencer à être long, là. Il m'emmène où? Parce qu'en plus, je le suis, mais je sais pas pourquoi. Hein. Ça se trouve, En vrai, de vrai, je serais développeur, je crois ça, je ferais en sorte qu'il y ait un personnage comme ça, tout pareil. Et t'as l'impression qu'il faut que tu dois le suivre, alors qu'en fait, il t'emmène nulle part, juste il tourne en rond, cet enculé. C'est vrai que ça pourrait être drôle. Parce que là, je sais pas si le coin, mais on traverse des zones dangereuses, quoi, donc bon... Quoi? Imagine tu me gagnes une seule rune à la fin. Non mais j'espère que c'est un bon truc hein. Parce que là ça fait beaucoup là. Quoi il m'emmène à la statuette là? Même pas. Putain. Imagine tu le butes et après t'es bloqué dans l'histoire principale. Non mais je pense pas. Non ce serait con ça. Ah. Il m'a emmené là alors que j'y suis déjà allé. Mais j'y suis déjà allé dans ce truc. C'est le truc où je m'étais fait bouillaf par l'ours.
Putain, tout ça pour ça, fais chier. Tiens, d'ailleurs, parlant de bouillave par l'eau, est-ce que je peux le déglinguer là? Ça va, il me fait pas beaucoup de mal. Toi, t'es mort. Bah voilà! La cuisson! On va bien manger ce soir, les enfants! Je l'avais fait ce donjon, même il y avait de la merde, je crois. Enfin, ce donjon, ce. Ouais, il y avait de la merde. Oui, tu l'avais fait. Ouais. Salut la taverne d'un geek, comment tu vas, mon bro? Comment ça va depuis hier? Bah écoutez, ça m'apprendra à écouter de la merde, hein. Non, la dernière fois, mais c'est fou. En fait, c'est trop bien de voir que tu évolues vraiment dans le jeu, genre. Tu t'en rends tellement pas compte, en vrai. Parce que cette ours, la dernière fois que je l'ai croisé, j'étais de notre canet, en pas grand chose. Hein. Et là, je l'encule. Ça fait plaisir. Bah, ça va très bien, écoute. Là, je suis en train de faire les sentinelles autour des arbres de monde mineur, là. Ah, il y a un marchand ici, c'est vrai, faut que je... Peut-être que j'aille le checker. Ah, how nice, please. Qu'est-ce que tu as à me vendre? Je t'avais acheté des merdes déjà. Ok. Ça va tranquille? Tant mieux, mon bro, tant mieux. Installe-toi bien comme d'hab et profite du gameplay extraordinaire qui est faux. Par contre là aussi ça a l'air d'être une sentinelle archi casse-couille. L'emplacement a l'air casse-couille de ouf. C'est en bas non? Il y a une sentinelle ici même. Il n'y a pas l'air d'y avoir de réelle sentinelle. Mais pourquoi? Ah, par contre, il y a un bal. Mais un bal de scarabée, hein. Ouais, mais c'est des scarabées rouges qui rentrent des fioles, donc ouais. C'est déjà à fond. Ouais. Mais non, il n'y a pas de sentinelle ici. Dommage. On va retourner à Ilurnia, c'est ça? C'est ça, ouais, Ilurnia, ok. Tu l'as fait ce truc, moi? Oui, c'est l'ascenseur qui t'emmène dans les sous-sols. Ah oui, c'est vrai. Bon, écoutez, on va retourner là où on les avait bien mangés. J'ai bien vu de me refaire le connard avec sa... Ah non, non, non. Non, non, pas le connard avec sa flèche, mais d'abord ce qu'il y a juste en dessous de lui. C'est-à-dire revenir ici. J'ai pas vu de grotte depuis très longtemps, je crois que je suis pas assez attentif. Hein. Je dois être sur un niveau d'attention nul. Et putain de... Oh la putain de sa mère, comment c'est haut. Putain, mais il y a des chevaliers partout, ils cassent les couilles. Trouvez-vous un job, bordel. Là, c'est un géant. Ouais, non, je sens qu'il faut que je l'affronte, lui. Ou alors, on fait nos bicyclettes et on y va, en contournant bien fort. Oh shit. Oh, mais il a un truc de... Ah, j'avais pas vu qu'il avait son marteau dans le bide.
Il est immonde le bâtard. Oui, c'est parce qu'il a attaché la charrette qui est derrière. Ah, d'accord. J'avais jamais fait attention à ce détail. C'est un coffre. Lance arborescente. Ok. Et j'imagine que du coup devant il doit y avoir un truc, non? Parce que s'il est attaché à la charrette, si je fais tomber la charrette... Ah non mais il est plus attaché de toute façon. Ok. Ok, ok, bon. Je sens que je vais me sodomiser là. Je suis sûr que je vais décéder. Mais il y a l'air d'y avoir un truc ici. Ouais, non. Non, ça. Bon, allez. Porte nos couilles. Putain. Aïe, 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 aïe. Il y avait clairement un rebord où je pouvais atterrir. Il y avait, monsieur l'arbitre. Attends, je le stream directement depuis Discord. Comme ça tu auras le temps réel. Je suis déjà à 158 morts quoi. Putain. Un jour faudrait compter le nombre de morts par chute, mais juste par chute. Putain mais je comprends pas. Ah d'accord, c'était cette partie là, fait que je partais à droite, ok. Ok, 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 ok. Ah non, mais en fait, je regarde à l'envers, en fait, ok. Ouais. J'ai pas capté ça, je pensais vraiment que j'étais dans la bonne direction. Ah, mais ça explique plein de putain de choses. Par contre, ça explique pas pourquoi il y a une montgolfière là. Ah merde, c'est un méchant ça. C'est nous les méchants. C'était sûr qu'il y avait un truc ici. Oh oh. Ok. Cet arbre, je l'ai pas fait du coup. Ok. Non, c'est l'arbre monde. Ouais. Ça peut pas mal t'aider. Gardien des portes et le guide, ceux qui trouveront. Qui retournent aux racines. Quoi? C'est un truc de TP? Non, c'est pas un TP. Merci à toi. Regarde pour le follow. Attends, je t'entends pas, il y a. Bienvenue à toi qui est le plus beau. Et allez, merci okay. Touille pour le follow, comment ça va Touille? Tu disais quoi, pardon? Regarde. Ah TP. Il indique la direction de quelque chose. Ok. Je l'avais pas vu au début. Donc si je dois aller là-bas, c'est que je dois descendre aussi. Que peut-il donc y avoir? Après il me dit que t'as un truc que... Il m'emmène sur un truc que j'aurais pu déjà voir genre. Oui. Ok Crystal, bonne soirée à toi et repose-toi bien bro. À la prochaine. Je l'avais même pas vu lui putain. Il indique un truc hyper loin là. Je connais pas la distance. La plupart du temps je m'en servais pas. Bah là ça m'a tout l'air de juste descendre la colline. Ah y'a un gars là. Ah non c'est une chaise. Mais qui se pose sur une chaise au bord d'une falaise comme ça au calme frère?
Mais si, il est matraqué ce gars. Bah c'est un super et toi, tout le monde souhaite la bienvenue à Touille Touille qui débarque pour la première fois sur le chat. Merci à toi de demander mon nom. Alors. T'es un joueur d'Elden Ring, Toutouille ? Alors. Bah alors, par contre, il m'a indiqué un truc, mais je ne vois pas. Si c'était juste un objet comme ça, bon. Non, c'est pas un objet. C'est quelque chose qui t'intéresse. Ouais, mais le laser m'a montré juste... Il est parti si vite dans le sol, je sais pas. Bah, en fait, s'il part dans le sol, c'est que c'est plus bas. En fait, lui, il va tout droit. Il passe dans le sol, il s'empête pas. Ouais, mais du coup, je suis descendu au plus bas. Non, j'ai dû le manquer. Mais dis pas qu'il est à l'autre bout de la falaise quand même, frère. Je vais m'amuser à sauter, hein. J'ai déjà fait. Ça marche pas. Ouais, j'ai commencé il y a quelques jours. Ah, attends, moi pareil. On est ensemble, mec. C'est ta première run, du coup, putain. Oh putain, il y avait de la putréfaction par terre. En tout cas, je trouve trop cool les gens qui viennent pour Elden Ring. Enfin, la commune Elden Ring, je la trouve trop cool. Les gens, ils sont vraiment sympas et tout. Vous êtes pas des casse-couilles, c'est beau ça. Vous êtes dans l'entraide et tout, dans la moquerie quand je décède. Ah, puis même sur le Discord d'Elden Ring, c'est pareil. Ah ouais? Ouais, j'étais tout à l'heure parce que je galérais sur un boss, donc j'ai été appelé à l'aide. Et bah le boss pour la dégommer. J'avoue qu'avec une seulement les petites lumières pour te guider, je suis légèrement perdu. Ah non mais oui, clairement le jeu, il t'aide pas du tout. Hein. Oh, le jeu, après je pense que c'est ça qui donne aussi du... l'intérêt au jeu quoi, c'est que vraiment là faut porter ses balls. Attends mais je ne comprends, attends. Il pointe dans cette direction. Et ça va vers le bas donc c'est forcément là. Salut Silas de Pique, comment ça va frérot? Quand tu descends, je crois qu'il y a un chemin à gauche après. Non? Bah non parce que c'est de la pure falaise. Ah c'est de la pure falaise là frérot, aussi un chemin à gauche Ouais non je crois que tu peux descendre et revenir après. Non par contre, je pense qu'il y a un chemin à droite par contre. Mais quelle droite? Mais wouah! Ah ils font mal quand même eux. Eh ben. Non je dois rater un truc ici c'est sûr. Mais je le vois pas. Je le vois pas et du coup je sais pas. Ou alors c'était juste pour récupérer la pierre. Mais c'est débile. J'y allais forcément y aller. Ah. Par contre, je peux remonter là, j'avais pas vu. Ah, si, voilà. Il m'a indiqué une putain de grotte. Pourquoi il y a de la fumée là? Ok. Je suis samouraï, Touille. J'ai fini dans la zone rouge là, à l'ouest, au niveau 20. Bah, c'était tout sauf mon niveau. Ah, oui, oui, oui. À l'est là, là, Kaelid. Ouais, ouais. Bah, j'en reviens là. Toujours pas mon niveau. Hein. Je suis à ce niveau d'avancement du jeu. Toujours pas bon. MDR comme qui a souffert, on est ensemble. Mais de ouf, on sent que tout le monde, on est tous unis par la souffrance. Donc on a, non mais gars, t'inquiète. Tu veux t'en sortir mon frérot. Allez. Ça a l'air d'être un donjon torchon chiffon carpette. Hein. Oh, il a l'air énervé, catacombe au pied des falaises. Ok. Ça commence par un ascenseur. Il n'y a pas d'étage intermédiaire, j'ai l'impression. Maintenant que j'ai ma lanterne, on va pas s'en priver, hein? C'était tellement galère de se balader au début. Ah putain, enculé, il m'a fait peur! Et il m'a putréfié, m'a empoisonné. Eh, oh, tu sais quoi? Attendez! Je comprends pourquoi DDS fait gargouille avec Tony. Oui, effectivement, ouais. Non! Je suis à peine rentré, je décède. En plus, celle-là, tu les vois. Ceux, ils sont rapés de ouf, c'est abusé. Ok. Après, il fera pas si fort que ça, c'est juste moi qui était. Il va très 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 vite. Ah, par contre, c'est super chiant de devoir recommencer depuis le début comme ça là. Il est où le levier là? Bah.
Mais t'attends, j'étais là au pyramide. Ah non, c'est là, oui. Ah, c'est là. T'en as vraiment besoin, là. Ouais, ouais, là, putain. J'ai pas vu le levier. La petite lanterne. Par contre, la lanterne qui s'accroche sur le slibar, là, vraiment machin, hein. Ok. Allez. Je vais les chasser. Déjà, lui, je sais qu'il est là. Donc du coup... Hop, guet-apens. Mais je le sais. Non mais c'est trop... C'est trop... Oh là 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 là. Mais juste pour deux putains de gargouilles, quoi. Putain, c'est que l'entrée... Je galère déjà à l'entrée du donjon. La vie va être tellement dure. RIP les runes. Mais j'en avais pas des masses, donc ça devait aller. Je crois. Attends, je vais les re-ramasser. Parce que j'avais ramassé celle d'avant, ça devrait aller. Allez. Ouais, j'en avais zéro dégâts. J'en avais zéro dérute, mais... Voilà. Un déjà, c'est fait. L'autre, il recule. Voilà. C'est réglé. Merci d'être décédé, sale chien de merde. Putain, c'est vrai que c'est... je vais faire gaffe sur les côtés. Eh, ce jeu, ils te font parano, frère. Gargouille supérieur au boss. Ah non, mais clairement, ouais. Clairement. Alpha Gargouille, hein. Je pense que tous ceux qui ont une partie sur Elden Ring, dont moi, on déteste les résidus de capote. Ah non, mais c'est un truc de ouf, hein. C'est un truc de ouf. C'est verrouillé par un mécanisme, évidemment. Ça serait trop simple. En plus, ils viennent en vicieux. Encore, ils seraient... Ok, t'es rapide, mais tu viens en réglo. Allez, why not? Tu vois, mais là, là. Éteindre la lumière, en plus. Putain, j'ai pas... Prendre la lumière, ma lampe. C'était même pas une... Ah si, c'est du gargouille, ça. Je sais même pas ce que c'est que cette merde. C'est une gargouille qui se tape avec une branche. C'est trop. Elle t'a niqué avec la branche. Ouais, je me suis fait niquer par un vegan. Il y a deux trois mobs, c'est le cancer du fun de l'amusement. Ah non, mais là, oui. En plus, horrible. Vraiment, par contre, c'est super con de te voir à chaque fois remonter le putain d'ascenseur, quoi. Oui, et à cause de ça. Je fais remonter l'ascenseur. Et quand j'ai voulu retourner, bah, il y avait juste un trou. Eh, tu sais quoi? Je suis déjà venu ici. Salut Plug, comment tu... Va, pop, pop, pop. Je fonce. Je n'ai rien à perdre. Fixe mes règles dans mes règles. Je cours. Tu vas bien galérer dans le bon moment. Ouais, je le sens bien là. Non, alors autant j'adore affronter les boss dans ce jeu, mais alors les donjons comme ça là. Bon. Et les insectes de 2 mètres avec les pantins, les loups putréfiés sont reloupants. Oh, tout ce qui est putréfié en général, c'est chiant aussi. Je sais pas que tu vas atteindre les 200 morts avant la fin du live. Bah, j'aimerais bien sortir de ce donjon vivant, quoi. Avec moins de 200 morts. Attends, je vais... Parce que pour l'instant, la plus grosse galère pour moi, ça a été... le chevalier du creuset. Je vais mourir 42 fois, mais je vais pas mourir plus de 42 fois dans un putain de donjon, quand même.
En fait, faut que j'esprit shonen. J'esprit shonen et je Naruto run tout le donjon. Allez. Si je le Naruto run. Là, je joue à la malte en clos, là, carrément. Là, j'ai l'index sur les boutons et je le pousse sur le. Sur le joystick droit. On se repose un peu. Voilà, 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 voilà. Et hop, là, je t'ai piégé. Là, faut que je fasse gaffe parce que du coup. Ok. Est-ce que je peux y aller direct? Non, une non, clé putain. Lame de pierre. Oh, y'a un putain de géant. What the hell? Wouh! Je l'ai saute mouton. Là, y'a un mec à gauche, obligé. Non. Oh oh. C'est une salle piégée. Je sais même pas comment je suis en vie. Je suis mort. Comment je ne suis encore en vie? Comment je suis encore en vie? Oh non mais je me reprends que. Oh putain. Hop hop hop. Ah si si saute. Alors là. Je suis retourné au début, ok. Là je fais gaffe parce qu'il y a les fléchettes. Ok, donc là faut que je continue tout droit. Mais il continue à me tabasser alors que je suis parti quoi. Mais t'es tout seul là non? Ah c'est le gros. Ah le gros il me poursuit. Oh il est mignon. Archonique. Non. Ah il m'a chopé l'enculé. Oh. Home Mirwan, me dis pas que je suis juste pour ça. Non. Y'a un boss. Dis-moi qu'il y a un boss quand même. Même si non. De quoi? Y'a un boss dans le donjon mais derrière les portes verrouillées. Derrière les quoi? Bah les portes verrouillées là que t'as trouvé. Ah oui c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Attends. Déjà, niveau équipe. Déjà je rajoute une mort. Je vais changer de casque. Oh, comment ça celui-là? Moi je l'avais même pas, c'est clair. Bah, je sais pas, je l'ai vu, il avait l'air d'être bien maffé, bien tiède. Bah, j'ai dit vas-y, ça va avec plaisir. Bah, il est pas mal. Celui-là aussi, il a pas mal. Bah, tout ce qui est bleu, c'est ce qui l'améliore. Ouais. Je trouve que ça améliore quand même pas mal, mais par contre, en résistance, c'est pas fou. Hein. Bah, je reste en samouraï. Au niveau des pantalons, c'est comment là? Est-ce que j'ai un bon petit cul là? Putain! Oh le flou négatif! Attends, je me repose un peu au site. Est-ce que je peux améliorer des trucs là? Non, bah non, je suis mort. Attends, mais je comprends pas, je crois que j'ai rushé toutes les salles. C'est pas possible! Honnêtement, quand je l'ai fait, je pense à la même chose. C'est FML qui m'a donné le chemin. Ouais. Et suivre esprit shonen ça là? Putain. Le flou négatif mais... On dirait le mec déguisé en cochon dans Demon Slayer. J'ai jamais regardé Demon Slayer mais j'ai quelques refs. Bon, bah on fait comme tout à l'heure, on court hein. On va le casser. Ah mais y a un chemin parallèle, non? Non, pas du tout, non. Je ne crois pas. Hop 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 hop. Toujours pas ouvrir. Ok. Où est-ce qu'il est le chemin que je dois emprunter? Il y a un truc plus bas, non? Ouais. Ouais, c'était sûr. Je suis jamais venu ici. Je crois. Je crois non, bien. T'es jamais...
Jamais venu, parfait. Par contre, il y a des giga gros. Et eux, ils sont pas là pour manger du... Ouh, ils sont là pour manger moi, en fait, là. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. Oulololo. Allez, grimpe, 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 grimpe. Inosuke, voilà, c'est ça. Inosuke. Ça va, et les gros, ils grimpent pas aux échelles, normalement. On est d'accord. On craint plus que ça, tiens. Oh oh. Ah bah si. Non, je savais pas. C'est pas le gros, c'est pas le gros lui. Ça va. Ah, c'est le mécanisme. Pourquoi j'arrive plus à rien? Ah, j'arrive plus à bouger. Je m'en fous, j'ai activé le mécanisme. Du coup, je peux ouvrir la porte. C'est déjà ça. On est d'accord, j'ai pas besoin de refaire. Normalement, non. Ok, ok. Comment ça va, mon FML? Big. J'étais en surcharge, sérieux? Ouais, bah de ce que j'ai vu... Mais surcharge de quoi? T'étais bien... Ah, tu fais une roulade? Ouais, t'as un surcharge. Ton équipement est trop lourd, donc t'es plus lent. Comment je sais qu'il est trop lourd? Tu le sais, c'est tout. regarde, bah non, charge équipée 41.9 sur 57.7, c'est le maximum, mais... Et petit à petit, je vois charge lourde, ouais. Bah je vais remettre mes trucs d'avant, hein. Je vais me remettre en charge moyenne, parce que sinon... Ah là, c'est bon, t'en vas en moyenne. Ok, donc là, la porte, c'est celle du début. Je peux déjà l'ouvrir, vu que j'ai activé le mécanisme. Le mécanisme, il était loin pour ça, putain. C'est comme quoi, la méthode de courir dans les... Découvrir dans les donjons, elle fonctionne. C'est ouvert, let's go. Dis-moi que le boss est juste derrière direct. Ouais, let's go. Bon, on l'apprend à demain. Et on y va. Oh, c'est un chat! Vite, tabasse-le vite. Ok, moins mid-life, on va dire. Ah, oh non! J'ai raté, je suis une merde. Il se déplace trop bizarrement. Oh putain, enculé. Why? Oh, la vitesse. Oh, je m'attendais pas à celle-là. Non, je suis de la merde. Ok. Non, mais je rate mes attaques aussi, je fais aucun effort. Non, mais... Non. Non, c'était sûr. Ok, je l'ai mis de life. Mettez une prédit à 10. Ça marche. Mettez une prédit dans le chat, vous allez pouvoir vous jouer vos petits points de chain. Je peux le faire à moins de 10. Mais en même temps, c'est compliqué. Putain, par contre, c'est chiant vraiment de redémarrer à chaque fois. Là. Belek ira, mais t'inquiète, j'avais compris Belek. Ah, on le prend à demain, oui. Tu ne prends pas ton sabre à demain, toi? J'ai vu ma chance, je vais perdre ce pari. Non, on ne dit pas ça. Vu ma chance à moi. Je fais de la merde. Ça fait 2h30 de live, ouais. Ok. On va aller vite fait.
Tu vois, genre, il devrait mettre un putain site de cendre. Site de grâce juste avant. Le boss, ouais. Juste avant le boss, quoi. Ou de se retaper toi. Même. Okay. Tout le truc inutile juste avant, là. On fonce. Ah, il lâche des flammes. Ça, je savais pas, ça. Tu le faisais pas, ça, tout à l'heure, ça. Chacal. Merci à toi pour le solo. C'est bon. Bienvenue à toi qui est le plus beau. Fui. Flamme. C'est bon. Même pas peur. Oh putain. Ok. J'ai raté, je crois pas. Oh ouais, je suis mauvais, hein. Petite popo. Merde. Ok. Let's go. Bah, c'est pas si compliqué que ça, en fait. Et merci à toi, Alessandzio, pour le follow. Comment ça va, Alessandzio? Ouf, ça va. Je suis mort une fois. Juste le temps d'apprendre le pattern. Honnête. Cendre de mercenaire. C'est des invocations? Non, c'est quoi ça, déjà, les cendres? Oui, c'est une invocation, oui. Oh, c'est une invocation. Elle est comment, l'invocation, elle? Invoque l'esprit d'un... Oui, non, mais je m'en fous. Mais comment il est... Par rapport aux méduses, par exemple. Ou en PV? Bon, j'ai rien compris. Je reste avec la méduse, c'est une source sûre. Ouais, parce que celui-là, j'ai jamais vu ni entendu parler. Trop facile à dire, retourne au boss de l'arbre pour voir... Non. on peut aller se faire enculer une autre fois, par contre, si tu veux. Là, c'est trop... Oh, putain. J'ai pris le mauvais chemin là, je reconnais. Bah t'aurais pu... Non, c'est le bon chemin, mais t'aurais pu juste... sauter pas la sortie. C'est vrai que j'aurais pu me TP, effectivement. Ah, salut mon Boris, comment tu vas mon bro? Salut Boris. Yo, Miss Click. N'oublie pas que tu es une merde, Boris. C'est vrai. C'est pas en stream par hasard. Si, tout à fait. Tu viendrais pas te réveiller toi des fois? Non, je suis juste crevé. Oh bébou, il est 23h. Anyway, yo le chat, bonne soirée. Et la bonne vie. Bonne nuit. C'était Kane dans sa plus grande art. Dans son plus grand art. Le stagiaire qui donne l'astuce trop tard, un classique, clairement. Bah tu te démerdes, hein. Tu récupères pas tes runes? Ah oui, merde, mes runes! Je suis un ouf, hein. J'en avais 3000. Attends, je me mets safe. Putain, je peux toujours pas ouvrir la carte. Je suis un ouf, moi. Au dodo, Boris. Ah non, là, Boris, il était... Il était torchon chiffon, mais surtout carpette, quoi. Ok. C'est vrai, putain, j'oublie trop que les runes, c'est trop important dans un jeu de mort, là. J'en ai 3200 en plus. Bon, c'est pas énorme non plus, mais c'est important, quoi. En fait, moi, je suis fait pour avoir un gameplay rapide, en vrai, hein, quand j'y pense. Il est déjà en bas. Tu viens de descendre. C'est moi, il y avait un passage secret. On dit ça. On dit ça. Même si on a un, il n'est pas important. Ok.
Allez, on retourne avancer dans l'histoire. Enfin, dans l'histoire. Dans la zone au moins. Ah, les vieilles hyènes de la zone, là, laisse tomber quoi. Oh, pire invention ces conneries là. C'est fou à quel point même les petits... En vrai de vrai, les petits PNJ c'est les pires. Les petits monstres c'est les pires. Tu dis ouais, ils sont rapides, ils doivent pas taper fort. Et puis tu te fais... Et là quand tu te fais coucher pour la troisième fois, tu te dis bon... Ça fait beaucoup là, non? Ok, j'arrive au niveau du château bientôt. Il y a forcément un truc à voir, non? Inch'Allah. Ah! Ok. Ça, c'était le chemin annexe qui mène vers... Ouais, c'est ça. Donc moi, je continue par là. C'est trop paisible. Il y a une dinguerie qui va arriver. C'est quoi ça? Pourquoi il y a un demi-bol là, frère? C'est calme. Trop calme. Trop calme. Mais j'aime pas trop beaucoup ça. Ah. Salut Tony. Au revoir Tony. Il te pute. Tony fils d'œuf, ça change pas. Non mais 100% je suis à côté d'une grotte et je suis pas au courant. What the hell? Ah! J'ai déjà fait. Enfin j'y suis déjà allé, j'ai déjà la map, ok. Pas dans le lac et que l'académie t'as pas encore fait. De quoi? Il n'y a que l'académie que t'as pas encore fait dans le lac. L'académie? Ouais, j'ai pas fait, ouais. Le gros château. Ouais. Je suis passé vite F, mais... Je te cache pas que me faire défoncer par un crabe, ça m'a vite fait comprendre que, bon, en fait, non. Ah, cette maison là-bas. La petite maison dans la prairie. Faut que je passe à la table ronde. Histoire de voir si j'ai pas des crafts à faire et tout. Ah, bah tiens, on parle de table ronde. Ok. Tu vas me faire croire que tout le long de là il y avait rien? Menteur. Menteur. Wesh. Attends, j'ai volé un tableau là? Pourquoi? C'est pour découvrir la table ronde? Qu'est-ce que c'est que ce médio? Qu'est-ce que tu as découvert plutôt que ramasser? Ouais, c'est vrai. Ah, c'est la table de la grâce, pardon. Ok. Ah, arrêtez de parler s'il vous plaît, je vous ai déjà parlé. Ça va, salut Knight, comment tu vas? Attends, en vrai, est-ce que je peux m'aller... Cette arme, je l'adore de ouf. Hein. C'est vrai, ah putain, mais à chaque fois qu'on me parle, j'oublie que je suis une meuf, putain. Non, par contre je peux améliorer le bouclier, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Ça vaut pas le coup en vrai pour le peu que j'utilise. Ah oui, pardon. Oh, je suis super... Duplication de sang, vendre... Non, ok. Saut du balcon... Non, je sais déjà ce qu'il y a dans cet temps du balcon Knight. Mais j'avoue, je vais retenter le coup. Parce que peut-être que j'ai le level là, non? Depuis le temps. À l'époque, j'étais pas encore avec mon arme de limiel ou je sais pas quoi là. Se faire restreindre, vas-y. Étreins-moi, madame. Bah, ça va très bien, écoute, Knight. Ça va bien, écoute. Là, le stream, il était
un peu moins compliqué. Enfin, le jeu était moins compliqué qu'hier. Parler en secret. Parce que hier, vraiment, c'était vraiment un live de fou. Trop bien la Japan Expo Fiox. Mais en plus, c'est quoi l'intérêt de se faire ploter par une sorcière là? Ou une mage, je sais pas ce que c'est. Comment je ose assumer son genre? Bref. Mais. Y'avait pas un truc de craft ici avant? Je m'en fous du lore. Est-ce que tu peux te taire? Merci, voilà. Accéder au combat du Colisée? Ah, c'est ça, c'est pour ça le multi. Ok, d'accord. Ok, visitons. Oh là 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 là. Bah, wesh, c'est la mort ça? Du coup, le lore, je sais que tu sais, mais on veut du sang. Oui, t'inquiète, Knight. J'ai fini de visiter. Et après, je vais aller sauter du balcon. Acquérir le pouvoir des souvenirs. Dans le menu du pouvoir des souvenirs, vous pouvez extraire les pouvoirs de leurs homonymes. Ah, d'accord. Donc du coup, je peux récupérer soit sa hache, soit son dragon. Dragon creep, c'est que... ça veut dire quoi ça, frère? Ah, je sais pas. Hein. Non, je... Pour l'instant, non. Si je sais pas ce que c'est... Ah ouais, elle m'a viré quand même. Comment ça, toucher les deux doigts, mon ref? Ah, c'est des doigts. Mais gros, bah que... Mais c'est... Les deux doigts préférés de ta meuf. J'avais oublié cette private joke. Il y a un secret avec elle, mais jamais tu trouveras. Ouais bah... Pour l'instant, je sais qu'elle me vend des trucs avec les souvenirs. Je suis pas dépensé ça maintenant, vu que j'ai pas beaucoup de runes. Et je sais pas spécialement ce que je veux faire. Non, mais... Mais il y avait un truc ici avant pour craft, non? J'en ai pas le souvenir. Ou alors j'ai jamais utilisé. Je suis quand pour craft, moi, bordel? Oh, ça parle, ça parle, ça parle! Oh, tu sers à quelque chose ou pas? Bah non, putain. Pute. Ouh là là, oh, j'ai failli le frapper. Acheter. Ouais, ils vendent des armes quoi. T'inquiète, tu pourras pas trouver car je parle d'un secret où c'est NG+ obligatoire. Ah oui, oui. Ah oui, là c'est... Oui, oui. NG+, c'est encore loin. Déjà si je fais le NG+, hein. Ils aiment trop parler de deux doigts quand même, hein. Bah en fait je suis comment pour crafter alors du coup? Parce que j'ai plein d'objets sur moi depuis le début du jeu, je les ai jamais utilisés hein. Toutes ces merdes là, j'en fais. Si tu veux fabriquer des choses, si tu veux fabriquer des choses dans ton inventaire. Ah ouais, je peux le faire directement depuis l'inventaire? Non, il faut acheter un truc, je sais pas pourquoi en fait. Ok, ok. Bah, je pense que tu feras pas, voilà pourquoi j'ai dit qu'il y en aurait un secret. Hein. Bah écoute, en vrai, je peux faire le NG+ à un moment donné, je pense, si vraiment j'ai envie de tryhard, quoi. Mais là, je t'avoue que déjà finir le jeu en normal, ce serait pas mal. C'est déjà un tout autre délire de finir le jeu en normal. Bref. Ah, je peux débloquer une salle. Par contre, j'ai plus de clé de lame de pierre, je crois. Ça, c'est galère. En acheter... Au marchand, ouais.
au joueur marchand de jumelles, non. Ah oh, putain, mais c'est sérieux. Mais c'est sérieux, ça. Ah, mais j'ai une autre table de pierre. Ah non, j'en ai plus, ouais, je me disais. Putain, et c'est quoi ce château en DLC, là. Oh, une arbalète. Sympa. J'ai jamais utilisé, mais c'est sympa. Le secret est tellement ouf qu'il a été découvert par un américain il y a très peu de temps. Ah oui, à ce niveau-là, carrément. Ok, ok. Intéressant. Bon, allez, on va tenter le truc de la cour, là. Et elle est où, déjà? C'est juste devant le... Ah oui, juste devant le connard qui est assis. Il y a un escalier qui monte. Donc c'est juste là. Je me souviens plus du tout de ce qu'il faisait, mais je sais que la dernière fois que je suis venu, j'ai bien bu, mais il me l'a mise dans le cul. Je peux même pas le toucher? Ah ouais, frère. Ah oui, il faut dire bonjour, oui, pardon, bonjour avant. Bah oui, je vais le taper. Ouais, alors ça, j'ai pris la confiance, c'est pas pareil. Non, je vais le fumer. Là, c'est juste que j'ai trop pris la confiance. Je viens de voir le moins 3200, ça m'a fait mal au cœur. Non, je vais le fumer. C'est là-bas. Il t'a mis les doigts dans... Il m'a mis les doigts là. Ah ouais, frère, même pas il dit bonjour. Tu vas kiffer ce combat. Ah ouais. Quoi, il a plusieurs phases. Parce que là, je l'ai quand même mis de live très vite, quoi. Puis en plus, ça va, il est honnête, il a dit bonjour. En vrai, il a tiré la révérence. Puis après, il m'a tiré le trou de balle. Mais ça, c'est un autre truc, ça. Non, mais il est dur. Ah ouais. Ouais, je sens que je vais devoir utiliser mon bouclier, hein. Ouais, j'ai rien dit, il va me démonter. Mais on va le tenter. On va le tenter. T'as déjà vu un PJ avec des phases, toi? Bah, on sait jamais. Franchement, je m'attends à tout dans ce jeu, moi. Je me fais bien démonter par des gars que je pense que je démonte. Et par des arbres. Et la gravité. Pour l'instant, la gravité est le pire ennemi du jeu. Hein. Qui ne tente rien derrière. Mais ouais, c'est ça, esprit Nenshu, les gars. Puis il doit y avoir un bête de trucs derrière, j'imagine. Non mais... En vrai, pas besoin de bouclier. Juste de ma paire de couilles. Il faut que tu tankes ces sorts. Ouais. Ok. Ah, et c'est il, l'enculé. Voilà, facile. Facile. Troisième essai. Voilà, vous êtes médisants. Vous êtes médisants avec moi. Tu vois, c'est pour ça que je peux pas vous faire confiance. Personne croit en moi, de toute façon. Ah bah oui, hélas, en armure, on est trop lourd pour planer. Ah. Du coup, il m'a donné quoi? Quoi? Comment ça, retourner à l'entrée? Ah, pour remonter, quoi. Ouais, mais y a des portes. Oui, mais non. Putain, c'est ouf, parce que la première fois que je l'ai affronté, je l'avais pas fait aussi mal, hein. Lui, par contre, il m'avait bien... Sodomisé. Ouais, bien sodomisé, ouais. J'ai l'impression que je suis déjà venu ici, mais pas du tout. Je vole des trucs sur des cadavres. Et vous voyez, Rastem qui a reçu un combat dur en 3 essais. Mais il était vraiment dur pour vous, sérieux? Bah, quand je l'ai fait, il m'a pas paru compliqué non plus.
Ouais, il avait pas la... Enfin... Pourquoi il m'a pas spécialement utilisé de sort? Il m'a surtout attaqué à base de... Alors pourquoi le mot nager est pas autorisé par l'automode? What the fuck? Pour ça. Ah si, je sais pourquoi. Pour un petit quiproquo en anglais que le mot nager donne. Il y a pas si longtemps, il y a un streamer qui m'a demandé si pour aller sur l'île, faut nager. Je lui ai répondu, t'as déjà essayé de nager en armure toi? Bonne nuit Antoine, merci d'être passé frérot. Ah ok, bon, on va retourner à l'entrée. Hein. Bon bah écoutez, ça au moins c'est fait. J'ai pas fait de gros boss je crois dans ce stream. J'ai fait surtout des demi-boss. Ok, bon bah écoutez. On va retourner là où on était. Bah aussi pour la réponse, il m'avait tendu une perche du seigneur. Ah bah non, mais oui. Après, bon, tu dis, bon, nager, en vrai, tu peux pas savoir avant d'avoir testé. Tac, tac, tac. Putain, mais qu'est-ce que... C'est grand. C'est putain de grand, quoi. Et c'est beau. Vous voyez ça? Au fond, le château, il a plus de détails que tout Pokémon violet réuni. De près ou de loin. Et ça, c'est honteux. Et ils ont fait ça en 2 ans, quoi. Mec, ton armure perd 50 kilos. Ouais, mais ça se trouve, t'es super stock. Tu sais pas. Peut-être que tu fais v'là la natation chez Watt. Bon, j'imagine que je dois me battre ici. Comment il me voit pas, Jésus-Christ, là, mais... Il est... Wesh. Ah ouais, j'ai raté à cause du... Putain. Oh là là, eh, j'ai tellement l'impression d'être hyper fort quand je fais ces techniques-là. Ah merde, je crois que je cassais ça. Oh mignon, bébou. Oh bébou, t'es mort. C'est bon, putain. J'adore quand j'arrive, je déboîte des grosses darons. Flamme purifie-moi. C'est quoi ça encore? C'est une compétence. Imagine t'as 15 heures de jeu, tu confonds toujours les incantations et les compétences. Non, c'est pas là. Soigne le poison, la purification écarlate et dissipe par accumulation. Oh, pas mal. Si jamais un jour je peux pas l'utiliser. De quoi? Ouais, mais tu peux pas l'utiliser. Pourquoi? Dommage. Ah oui, merde, x12. Ah ouais. What the fuck, la flamme du Ducruel, il faut 41 de fois. Ah ouais. En effet, la foi, il faut la foi. Hein. J'ai hâte de jouer magie, bordel. Ça se trouve, le mec pour les prendre des stéroïdes anabolisants. Mais ouais, de ouf. De ouf. En plus, t'as vu, maintenant, tout le monde sur Insta en a. C'est fourni gratuit, limite. Directement par Instagram. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, mon petit cheval. T'as une côte de maille sur l'armure, si t'arrives à nager, on t'appelle Chuck Norris. C'est pas Chuck Norris qui flotte, qui nage, c'est l'océan qui se met sous Chuck Norris. Alors ce boss, j'ai trop l'impression qu'il a un truc important à donner. Et je ne saurais pas dire pourquoi, et c'est... Mais je vais pas le tenter. Pas le tenter, on a plus de... On a plus de mana, on va essayer de trouver un putain de site de grâce. Je suis où moi? Ok, je suis sûr qu'il y a un site de grâce là-bas. Ou une joule, un vrai bail. Comment ça va mon Tony? Ouais, toi tu restes. Ah ouais, non, en fait tout à l'heure, genre quand j'ai rejoint, je sais pas comment ça se fait. Genre j'ai allumé mon tel, et ça m'a fait join le channel. Parce que je crois que t'avais éteint l'application sans déconnecter du vocal et que ça t'a fait, ça t'a fait revenir à instant du coup, comme si ça considérait ça comme un crash. Ouais, je pense qu'il y a moyen. C'est une tortue ça. Mais elle est gentille. Ouais, elle m'a l'air ma foi bien sympathique.
What? Bah ça va, t'avances bien. Ouais, franchement là j'avance chill. Bah nickel. Là le jeu il est un peu en... comment dirais-je, en vitesse de croisière là. Ouais, ouais ouais. Fume la tortue. Ah je sais pas, elle a l'air... Non, il écoute pas, il a fumé surtout pas. En plus c'est haram, il y a le chapeau du pape. Ouais, il y a un le chapeau, en plus. Eh bah de toute façon, même si t'essayes de la tuer, t'y arriveras pas. Hein. Je pense que tu mets... je pense que tu mettras 5 minutes à la tuer. 5 minutes carrément? Ah ouais, c'est un sac à PV. Ah tu m'étonnes, c'est une tortue. Ouais, même c'est... elle est importante. Une aiguille de couture, non mais frère. Nécessaire de couture, ça c'est pour crafter ça. Ouais, c'est... améliorer tes vêtements. Ouais. Même pendant son jogging du matin, Chuck Norris se fait prendre en photo, mais par les radars. Bon. Il y a un site ici. Ça, est-ce que ce serait pas une geôle des fois, ça? Il faut que t'ailles voir. Ouais, je peux pas ne pas faire de geôle. Ouais. La tortue meilleure PNJ du jeu. Mais elle est stylée, t'sais. En fait, tu vois, ça fait plaisir de voir un mob qui peut t'enculer, mais qui t'attaque pas directement. Mm. Est-ce qu'on sent le mec qui a trop l'habitude de se faire sodomiser dans ce jeu? Bah là, tu mets une geôle, par exemple. Tu vois, c'est... ça va être le bonheur, un peu. Ouais. Mais c'est bon, là tu t'entraînais avec les boss aujourd'hui. Bah en vrai je trouve que je gère mieux. En plus j'ai appris la double compétence que j'avais en fait. Parce que je savais pas que c'était ma compétence de l'arme de limier. T'as un dash en fait juste après. Et c'est franchement... Je l'ai appris tout à l'heure. Parce que je l'ai fait par accident. Et t'as... je crois que c'est... je sais plus c'était qui, mais qui m'a dit oui t'as une putain de double attaque. C'est-à-dire que des mobs que j'ai galéré, j'aurais pu les finir. Un gros limier. Pourquoi j'adore... pourquoi pour du cas que j'aime beaucoup limier? Genre c'est-à-dire un dash. Genre quand tu fais ta gâchette, quand tu fais ton... quand je fais ma gâchette gauche. Ouais. T'sais, après il fait son arrière, mon perso. Ouais. Si je refais un coup de gâchette droite, et ça fait un dash sur l'ennemi direct et ça le tranche. Genre, ça permet de le faire plus vite. C'est pas un mob la tortue. Ouais, un mob, un monstre, same shit. Benji, Naruto Sasuke et tout. Ouais. Ah c'est encore plus bas. Wesh. Ah ouais, faut que tu fasses tout le tour. Comment ça mon ref? Ah ouais non, faut que je descende là-bas. Pas tout le tour. Mais t'as... ouais. Par contre c'est pas du tout... Wesh. C'est pas une géole ça. Par contre c'est quoi le titan qui est devant? Il est à chier lui je crois dans mes souvenirs. Ouais vas-y t'as... il est à chier. Quand on entend ton sourire, c'est que c'est vraiment... Ouais, bah là, frérot... Non, il me semble que... genre, ça, c'est les gardiens... En vrai, tu peux les baiser, mais... ils ont beaucoup, beaucoup de vie. Tu crois vraiment que la tortue va te buter, en fait? Bah oui! Mais y'a tout qui veut te buter dans ce jeu. Moi, j'ai pas confiance. Non, vraiment, la tortue, pire mob à tuer. Genre, c'est lent... Et il t'attaque pas! Il cherche même pas à t'attaquer! Juste... bah, il se laisse faire. Bon, je vais essayer là le dash, donc je fais ça. Tu fais gâchette gauche, gâchette droite et ça passe. Ah ouais, wouah. Mais il est déjà mid life. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, non mais là c'est cheaté en fait. Oh, cheaté, déjà mid life. Après il est très très lent. Ouais il est très lent celui. Ouais, moi aussi je suis très très con. Putain mais je sais, tu peux lock son pied je crois. En bougeant le joystick de droite. Et voilà. Voilà. Mais c'est un sac à PV. Ah oui non mais il a beaucoup de monde. Mais par contre oui je savais pas pour le crawl limier là. C'est... bah maintenant putain, je l'ai fait par accident tout à l'heure et... bah machin là hein. De ouf. Oh bah écoutez, je vais me faire fumer hein, parce que je comprends bien pourquoi il était midlife en fait. Non, attendez, il est lent mais il te biffle, il faut que j'apprenne son pattern bien. Ok. Oh non, là je l'avais esquivé trop tôt, vraiment. Oh Léo, ça y est, là je vais faire ma ligne, souffrir un peu et après je lance mon... Non, en fait, il est tellement plus lent que tous que je dash trop tôt à chaque fois. Ouais, t'as vu, c'est des fois c'est trop dur. Ok.
En plus, il traîne pour cadavre. Non, mais je peux le faire. Par contre, je maintiens. Hein. Monde de fantasy ou pas, un mec aussi grand que ça, frère, tu t'affrontes pas. Hein. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Bonne chance, Moni, pour Malenia et Force et Honneur. Allez. C'est fou. Oh. Même moi, je connais Malenia alors je l'ai jamais vu. Reste derrière lui. Ah, bah oui, 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 ouais, mais. C'est ce que j'essaie de faire. C'est juste que bon. Là, j'ai changé mon build. Essayer de la battre avec un autre build que celui que j'ai d'habitude, ça va être compliqué. Oh putain, il fait un coup comme ça, je savais pas. Aïe 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 aïe. Ah, excuse-moi, Night, t'as dit quoi? Allez, si tu veux, je veux bien parler que tu peux lui parler. Si tu veux, j'accepte même de sauter d'une falaise pendant 3 ans. Non, mais vas-y, je parlerai à la tortue après. Je parlerai après. Je te fais confiance, Night. I believe in you. Bon, par contre, là. On va se battre sérieux avec eux. En fait, moi, ce que j'aime pas avec les quand tu te bats avec les géants, la caméra, tu peux pas genre regarder en l'air pour savoir où il en est dans son attaque. Donc, t'es là, t'es encore en train de compter, frère, c'est trop. Eh, en vrai, est-ce que j'ai même besoin de l'affronter? Non. Non, non. Il vient de fumer mon cheval, l'enculé. Ah, le bâtard. Bon. Non, mais c'est trop. Il est tellement lent. Il est tellement lent, ce lait, que j'ai le temps de faire du fromage, frère. Non, mais j'ai... Mais... Ça, je l'ai esquivé. Ah 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 ah. Ah non, mais c'est des trucs pour aller dans le monde souterrain. Ouais. Moi, j'y vais au moins pour me dire j'y suis allé, mais bon. Ça vaut pas le coup d'affronter le gros porc. Hein. Et puis là, tu seras dans une zone que t'as jamais découverte. Du coup, ouais. Mais je sais pas si le niveau il est élevé de goûter. Je pense que si quand même. Hein. Je vois pas pourquoi ce serait genre facile, alors que juste littéralement juste au-dessus t'as un putain de géant qui garde l'endroit, tu sais. Quoi cette merde? Parce que la seule zone que j'ai découverte c'était celle-là. Bah écoute, on va checker. Hein. Ah, je peux même pas utiliser mon cheval. Oh putain. Oh l'enfer. Oh l'enfer, les fourmis. Ah, c'est bon, je vois où t'es. Il y a quand même du niveau là. Oui, oui. Mais en fait, moi je vais juste ramasser l'objet, je me tiens. Je ramasse la graisse magique là. Et je me casse. Attends, frère, les formules sont plus grandes que. Que le cul de Boris là. J'ai pas tenté ça, frère. Vas-y, en plus, elles sont horribles. Non, mais je me ferais bien une petite joule pour finir le stream par contre. Faut que j'en trouve une. J'ai le gâchon pour finir sur une joule. Histoire de faire un petit 1v1 là. Par contre, le souterrain est vraiment super profond, ils ont pas rigolé. Hein. Alors, il y en a une à Liurna. Ouais, il y en a une des joules. Oui, il y en a forcément une joule parce que je l'ai pas faite. La zone. Je vais me la faire. On va se balader. Mais de toute façon, observe la map et... C'est ce que j'allais dire, c'est ce que j'allais faire, ouais, t'inquiète. Où est-ce qu'il pourrait y avoir une geôle ici? Parce qu'il faut que tu te dises, t'as pas tout découvert la carte. Genre le côté gauche du Liurna. Ah bon? Ouais. Tu vois le grisé, là? Ouais, mais parce qu'en fait, je suis déjà allé dans le... J'ai déjà défoncé l'arbre mineur. Ouais, et ben faut que tu trouves la carte. Pour pouvoir voir la geôle.
Ok. Bah la joulette devrait pas être trop hardcore si j'ai réussi à défoncer l'arbre monde mineur facile. Enfin entre guillemets facile. Bah si, très facile d'ailleurs. J'aime pas quand, quand tu dis rien en mode bon bah il va se reculer. Oh, comment c'est magnifique. Par contre, on en parle à quel point la transition des couleurs elle est magnifique là. Oui non mais c'est Les gars, vraiment. Oh là là. Il y a plus de travail que dans Pokémon Violet là. Juste en une image. Voilà. Allez. Là il est pas lent ce lait. Hein. Attends, faut que j'aille là-haut. Ok, il faut que. Il où le. Parce que du coup la zone grisée, j'ai avancé dedans mais j'ai absolument pas du tout vu un. La fameuse horloge. La fameuse horloge de l'éphémère. Ouais, l'horloge est. Mais normalement il doit être plus bas. Ça c'est la joue que j'ai faite. Comment ça plus bas? Genre ouvre ta carte, tu vois Ah mais attends mais je sais pas pourquoi il te l'affiche pas. Je sais même plus où elle est l'horloge. Non mais je vais aller dans la zone et De toute façon balade toi tu le viens. Oui je vais me balader, aller me balader. Ouais. En plus c'est tellement. En vrai la stèle elle est tellement petite, des fois je suis sûr que je passe devant, je la vois même hop frère. Ouais mais tu la verrais sur ta carte si t'étais passé à côté. Ah bon? Ouais. Ah c'est à dire qu'elle est vraiment. Ah oui, le petit symbole. Ouais mais pourquoi elle est pas là? Parce que même Peut-être qu'elle est pas là, peut-être j'ai été. Ok. Ça c'est les connards que j'ai vu tout à l'heure. Eh vas-y pour aller jusqu'à Malenia, c'est trop long. Les trash mobs c'est des boss. Oh putain, oh là, ne pas tomber sur tout. Tout à l'heure j'avais un trash mob, c'était un avatar de l'arbre monde. C'est hardcore. Tout ça je l'ai déjà fait normalement. Où est-ce que ça peut être Ah non mais je suis même pas encore passé par dessus. Ah non j'étais pas passé. Je suis passé par en dessous du truc, pas au dessus, c'est pour ça aussi. Ah ça y est j'y suis. Oh là non. Bah ça y est la souffrance Malenia. Elle est en dessous frérot. Oh voilà. J'ai pas envie. Elle va me trouer. Mais ça va être hardcore là. Ah oui, c'était avec les crabes ici aussi. Et je l'ai assez survolé parce que. Ah les crabes quoi, il me démontait assez mon cul le crabe. Oh mais il y a des bébés crabes. Il y a des crabes. Ça Gwen elle les tuerait même pas. De ouf. Les petits bébés crabes là. Ah de ouf. Ouais non c'est forcément au-dessus. Si je vois pas la stèle sur la map depuis le début c'est que c'est au-dessus de moi en fait. Ah village. Ok j'ai découvert un village. What? Qui chiale? C'est toi qui chiale? Eh bien, comment. Oh putain! Non mais. Ok, j'ai rien compris. Allez, va te faire enculer. T'es là, tu parles Naruto Shippuden, donc on comprendra un. Oh putain, c'est que des méchants ça. Le combat il a duré une seconde, ma lignée m'a tout shot. Ah oui. Mais est-ce que tu t'es amusé mec, c'est ça le plus important. Mais j'ai même pas eu le temps d'ouvrir les yeux frère, j'avais encore la manette sur les genoux. J'ai pas le temps de l'enfant. Mais on en parle que je trouve absolument pas là le. Allez ma lignée, viens voir. Viens voir ma petite Malenia, viens sur mes genoux. Je suis pas sûr d'avoir déjà vu Malenia moi.
Enfin, de sur vos streams, quand vous jouiez. Je crois Adèle, il l'a fait il y a pas longtemps. Ouais, potentiellement c'est avec Adèle que je l'ai vu là. C'est quoi ce merdier? Je te tue, m'en bats les couilles. On raconte pas ta vie à frère. C'est quoi ce merdier là? Oh, Voldemort! Je connais zéro son pattern, c'est... Oh non, ici, il l'enculé. Bâtard, va. Non, mais... Mais il vient d'où, lui? Oh, j'ai Voldemort type feu qui m'a attaqué, je sais même pas d'où il sort. Ça parce que j'ai tué un albinori, quoi, putain. Franchement. Quelle intolérance. Avant, on pouvait tuer des gens dans la toute impunité. Et maintenant, t'as des fragiles, là, c'est woke. On peut plus faire ce qu'on veut. Ouais. On ne peut plus rien dire. Non, mais franchement, on est en France ou quoi? Ma liberté. Est-ce qu'elle met Florent Pagny là? What? What? Mais... Mais j'ai rien demandé, monsieur. Oh oh. Ok, je peux le faire. Non! Je l'ai mis de life. Tueur de réprouvé. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je le fume. Non, Maligna, je l'ai mis à un quart de sa vie. Sérieux? Je te jure, sa phase 2 là. Mais, oh, mais attends, mais je m'attendais à ce que. Mais c'est quoi ça? Est-ce que tu serais trop fort pour Maligna? Non, je pense que. Non, en vrai, je pense que c'est. C'est un bug. Ouais, Maligna, surcoté un peu. C'est quoi ça? Je pense que ce tour-là, je la tue. Un peu, ouais. Ah, ta vie sexuelle ne nous concerne pas, mon ref. Hein. Ouais. Pauvre Maligna. Après, les invocations, ça aide de fou. Toi, t'as la bonne. Là. Très, très forte. Non, déjà, il faut que je... Les loups! S'il vous plaît, les loups! Réprouvé égale rejeté par Dieu. Ah, je savais même pas ça! Après, je pense que ça se voit à ma gueule que je suis pas assez français pour savoir ça. Moi, réprouvé, c'est genre en mode, bah, je l'ai pas retrouvé quoi, tu vois, genre bien. Là, j'étais de la merde. Attends, mais y'a pas moyen d'aller l'affronter sans qu'il y ait des. Bah, c'est putain de loups en fait là qui. What? Vie enculé de merde. Non, encore midlife, putain. Dommage, t'étais pas mal. Mais j'étais bien, mais c'est ces loups là, ils cassent les couilles. Putain, mais... Allez chez le toiletteur, bordel. Ah, je suis à 173 morts en 3 streams, frère. C'est carburant, hein. Ah ouais, gros. Et je pense que je suis au début du jeu seulement là, putain. Je vais être au quart maintenant du jeu quand même. Là? Oui, là t'es où? Ouais, je pense. Ah ouais. Parce que sinon c'est putain d'abusé ça. Mais j'ai sauté! La compte ta mère le sorcier là! Puis de toute façon, pour finir le jeu, compte à peu près 100 heures.
Ah oui, oh, putain la vache, je suis qu'à 15 ou 17, je sais pas. C'est à peu près, genre ça peut être 70, un truc comme ça. Tout dépend comment tu t'en sors. Ok, le clap c'est canne. Les petits claps. Il est complètement con, il se court carrément de... Quoi? Ah oui. Non. Non. Dommage. J'aurais dû enchaîner, je pouvais enchaîner là en plus, je suis un connard. Je pouvais enchaîner les doubles attaques, putain. C'est à cause des clébards, ça. Ouais. Vraiment, vraiment des sourasses à jouer avec des petites merdes. Est-ce que moi j'invoque mes bails là? C'est pas parce que je peux pas que je le fais pas, mais t'as capté. Bon allez. C'est à un moment, il y avait un boss, et autour il y a des biquettes. Et... Hein Léo, tu te souviens des biquettes? Oui. Ça c'était pas un oui, c'était un bon souvenir. Les biquettes, elles font trop mal. Allez, où la biquette? La petite biquette. Putain, il crache du feu direct, sérieux? Voilà. Quand tu sais te servir de cette arme, elle est incroyablement forte. Talisman à nœud du creuset. Encore du creuset? C'est quoi ce bordel? Attends, je le fume ce clébard là. Voilà, fils de pute. Va. Encore? Voilà. Quoi? Il a failli m'avoir. Bon. On en parle en te regardant mourir, j'ai pas vu que j'étais rentré dans une zone de boss. Ah ouais, putain. La force au nœud. Ah putain, c'est Manolia. Ah bah, alors là. Quel timing. Le talisman du creuset. Réduit les dégâts subis en cas de tir à la tête. Ouais, c'est de la merde ça. C'est de la foule chiasse. Bon après, c'était un mini-boss, mais bon. Alors pourquoi il y a un trou dans le... Oula, on va pas passer par là, nous. Clairement pas passer par là. Kléber. Bon, on va mettre la lanterne parce que ça commence à être obscur ici, là. Mm. Oh, salut, Stitter, comment tu vas depuis tout à l'heure? La salle obscure. Comment tu vas, jeune beau gosse de banlieue? Bon, ça commence doucement à me casser les couilles, là. Elle est où, cette merde de... Par contre, la zone est cool, hein. Obscure, mais cool. Rappelle que je reviens de la street, let's go. Ça a vendu de la bonne drogue pour se fournir en PC. Ouais. Ça, faut vraiment que je pense à vite foutre mes trucs sur le bon coin, là. Ah ouais. Bah, j'ai quand même un Lissette. Lissette, je pense qu'il partira bien vite. Mais, mais en fait, je sais pas si je vends mes trucs en bundle. Genre tout en même temps. Ou alors je vends tout en séparé. Parce qu'en vrai, la lime elle pèse en toute seule, le processeur il pèse en toute seule, tout seul. Ouais, mais. Non, je sais pas. Hop là, Malinia est morte. Sérieux? GG. Ouais. Malinia surcoté. Mais en vrai, ouais, En vrai, en bundle, au moins tu peux le vendre un peu plus cher. Ouais. Et ça partira plus vite. Les gens ils verront qu'il y a plus de trucs, ils se diront, ouais, c'est une meilleure offre. À la prochaine, Naitopo. Merci à toi d'être passé, frérot. C'est quoi comme Alim? C'est une Corsair, c'est une CX500M dans mes souvenirs. Attends, 500M? Ouais, c'est ça, CX500M. Donc je pense pas que ça va te servir, c'est vraiment à quoi que. Ça dépend des composants quoi, comme d'hab. Hein. Ça dépend de comment tu es fourni.
Il la dodge en arrière, l'enculé. Je peux le faire. Il a popo, putain. Mais il a combien de popo? Ah, il faut que je lui fume. C'est bon. Ah, je suis bon là, je suis bon. Robe de parfumeur déchu. Oh, ça a l'air d'être ouf. J'ai toujours kiffé être en robe. C'est de la merde. Putain, c'est de la merde. Dommage, 500 watts. Ouais, c'est ça, ouais. Donc c'est pour ça que je veux la vendre en séparé. Pour les gens qui ont besoin d'une plus petite alim. Parce que maintenant, les 500 watts, c'est dur d'en avoir vraiment l'utilité, quoi. Quand tu vois les composants d'aujourd'hui... Jusque là, je m'en suis bien sorti, mais bon. J'ai une 1060 et un i7-1700K avant, mais bon. Mais il est où, le mec qui chiale depuis tout à l'heure, là? Ah! Fils de... J'ai voulu faire le mec gentil. J'ai été gentil, hein. Tu méritais. Mini 700 là. Ouais, là j'ai pris une 850 pour être sûr, pour être tranquille pendant un petit moment, quoi. Je pense que si j'achète la 4080, normalement, je devrais être bien. Re-ouvert. Ouais, non, mais maintenant c'est minimum 700, ouais. Quand tu vois la taille des cartes graphiques de nos jours, c'est abusé. Je sais pas si vous avez vu les images des 4080 et des 4090 custom. Elles sont énormes. Elles sont plus grandes qu'un avant-bras. Ta vie sexuelle ne me concerne pas, frérot. Encore une fois. Ah, mais j'ai mesuré. Hein. Non, mais ouais, vraiment, elles sont énormes. Bah, ouais. Là, maintenant, faut changer de boîtier. Hein. Oui. Tu changes du boîtier pour en avoir. Moi, je sais que mon boîtier, il est pile poil pour une 4080, mais une 4090, il est trop petit. Et encore une 4080 custom, c'est pas sûr. Ça va rentrer pile poil. Ah, c'est bon, tu la coupes un peu. Tu la coupes en deux. T'économises de la place. J'ai une épée de cristal. C'est une vraie arme, ça. Faut pas énerver Rastem, sinon Dark Rastem prend le dessus. Mais oui, Taverne. T'es un ouf. Je me faisais bolos depuis tout à l'heure là. J'ai dit, vas-y, c'est bon, c'est fini. Je vous mange. Ok. Bon, par contre, c'est marrant, hein. Mais il est où le bordel de. À la base, je suis venu ici pour chercher la stèle pour la carte. J'ai fait des mini-boss, j'ai affronté des sorciers. Elle est où, cette putain de stèle? Ah, le vieil Albu, c'est pas le mec que j'ai buté? Ah non, c'est le PNJ qui chialait, je crois. Non mais, il est où, le... La stèle, je crois pas qu'elle est au village. Attends, ah ouais, village des albinoriques. Je l'ai dépassé, mais là je suis en extérieur du coup. Ah ouais, ouais, c'est bon, je vais goûter. J'ai juste. Ah bah je suis revenu, ah, putain de merde, ok. Mais ouais, je pense que je vais prendre le jour de mes composants. Hein. Et j'ai aussi deux écrans à vendre. Donc faut que je trouve un. C'est des écrans quoi? 1080p. Il y en a un, il est incurvé 144Hz. L'autre il est 60 IPS. Enfin, il est dégueulasse quoi. Enfin, dégueulasse. Il est un peu plus vieux que l'autre, quoi. Je me souviens plus trop bien de ces... Moi, il me faut un écran pas ouf pour mon double screen. Je peux te fournir le... Ouais, ça, je peux te fournir. Tu le fais à combien? Je sais pas encore. Je regarderai les prix, mais... Ouais, vas-y. Mais le plus vieux des deux... Je verrai. Ah ouais, en second écran, oui. Personnellement, moi, je suis toujours en 1080p sur mon second écran. C'est mon ancien incurvé principal. Sauf que maintenant j'ai un écran de 27 pouces de 2K. Bon. Bah écoutez, la 1080p, la incurvé, ça sourd. Ça sourd. Mais on va voir un troisième écran. Troisième écran, j'en avais avant, mais en fait maintenant j'en ai plus l'utilité en vrai. Ça prend trop d'espace pour pas grand chose, je trouve maintenant. Enfin, après, c'est mon avis, hein. Parce que pour les streams, deux écrans, ça me suffit largement, tu sais. Après, je pense que c'est vraiment juste pour du luxe. C'est plus du luxe qu'autre chose, quoi. Je l'ai pas faite moi cette église tout à l'heure, moi. Si? J'adore le luxe. Tu le vendrais combien ton écran? Je sais pas encore les gars, mais sur Discord. Venez sur Discord les gars et sur mon Insta, je ferai des annonces quand je mettrai tout en ligne et vous verrez les prix des trucs et tout.
Là pour l'instant j'ai pas encore plus réfléchi que ça. Je sais que mes 16 Go de RAM DDR4 je vais les vendre 50€ je pense. J'en ai 2x8 et une de 16, donc DDR4 2400 MHz. J'ai mon i7 8700K, je vais le vendre à 200€ je pense. 200 balles. La lime à 50 balles je pense. Enfin voilà, je vais faire les trucs pas chers. Non, je veux pas lire, je veux lire ce que... Je veux interagir avec la tour. Madame. Mais bon, parce que je vise une grosse carte graphique, donc bon. Il faut que je commence déjà à revendre mes anciens composants. Que les réduits... Mais je dois faire quoi, là? Comment ça, que les réduits, frère? Ça veut dire quoi? Ouais, putain, j'ai même pas fait exprès, je suis dans le même truc que toi. Ah ouais? Je sais toujours pas quoi faire. Tu joues en full graphisme? Non, non, j'ai juste les textures en haute et tout le reste est en bas et l'herbe est en moyenne. Parce que sinon ça fait ramer OBS. Parce que autant j'ai un très bon processeur, autant bon. Je pense que le processeur est bottleneck par. Par ma 1060. Parce que bon, un processeur de 13ème génération avec une 1060, c'est. Bah, c'est comme d'être une gamine quoi. Ça se fait pas quoi. En vrai, ça va. En vrai ça va oui, mais bon c'est pas opti quoi, c'est clairement pas opti. Une 1060 pour du 2K c'est limite quoi. Mais il m'attaque ce connard là. Enculé, il m'a fait peur. Ok. Le jeu, je voulais dire pas la 1060. Ah oui non oui, le jeu est... franchement je le trouve. Après, je viens de Pokémon Violet, mais le jeu est vraiment très très bien, même en bas. J'ai hâte d'avoir ma nouvelle carte graphique, là, dans un mois ou deux, grand max. Histoire de pouvoir... y aller à fond, quoi. Utiliser le full power. Mais c'est un sketch ou quoi, cette tour, là? Bon, par contre, gars, je trouve ça bizarre que j'ai toujours pas eu de... De quoi que ce soit pour la... Pour la carte? La carte, ouais. Ouais, je crois que quand tu l'as ramassé, on la voit plus. Attends. Parce que moi, à la base, je voulais sur Angel, moi. Je voulais pas me taper toute la map, tu vois. La geôle, elle est plus haute. Voilà. Elle est plus haute. La citelle est plus haute en fait sur la map. Ouais. Ah, d'accord. Elle est juste derrière l'arbre, quoi, en gros. Non. Ouais. Non, bah la stèle, je sais pas, mais. La stèle. Je suis en train de refaire le chemin, voir si je vois pas la stèle. C'est vrai, parce que tout à l'heure, j'ai battu le mec de l'arbre là, et j'ai pas pensé à aller plus loin dans le délire. Pourquoi il y a une ruine musique. Qui fait peur alors que bon. Je l'ai tabassé ce bâtard. Mais vraiment j'ai trop hâte de pouvoir rejouer à ce genre de jeu mais full power graphisme et vous faire ça en stream. Et les méduses en bas? Ok. Où je descende. Genre, j'aime tellement streamer que j'ai trop envie de faire évoluer le truc. Et avant de penser à faire des micros, aller pour un Go XLR, tout ça, je préfère faire... En sorte que la base de la base et le PC, ils soient au top. Comme ça, vous, je peux vous streamer tout le truc bien, quoi. Et aussi pour les vidéos, enfin voilà. Être à fond. Mais c'est pas là où il y avait le géant tout à l'heure? Non, c'est pas là. C'est pas là du tout, d'ailleurs. En tout cas, la stèle super mal placée, hein. Traverse tout le bordel, tu la vois jamais. Elle était bon, Malikette, ça dégage, j'abandonne. Ah, t'es pas un vélo. Continue. Dis-toi, franchement, Malikette, pour moi, c'est le boss le plus dur. Vraiment, le boss le plus dur. Là où t'en es. Je sais pas si ce serait le boss le plus dur du jeu, mais. Si pour la plupart des gens, c'est Malenia, bon. Ils ont dû louper un petit truc de l'histoire. Hein. Quoi? J'ai dû louper Malikette. La coupe de ta mère!
Je me tapais contre un scarabée, il y a une chauve-souris qui me débarque, qui me défonce. Vraiment. Ah, c'est mort bête. C'est mort inutile. C'est mort en DLC, là. Ah putain, j'atterris là en plus. Vraiment. Bon. En vrai, je force pas si long que ça. Ok, c'est bon, je vois où elle est la stèle. Je suis devant là. Et je suis long ou pas? Monte ta carte. Je dis. Il y a l'arbre. Ah ouais, ouais. Un peu, ouais. Ok. Vraiment tout au-dessus. Ok, ok. Vraiment, tu continues juste le chemin et. Ouais, c'est vraiment le bordure de la zone, quoi. Putain, c'est vraiment des connards d'avoir fait ça. Vraiment tout en haut. Et devant, de toute façon, faut bien que tu regardes parce que vu que t'as pas la carte, mais tu vas passer devant la geôle. Ouais, mais si je passe devant la geôle, de toute façon, elle va. Ah, la geôle. Ah, ouais, ok. Ouais. Attends, je vais récupérer mon stuff déjà. Les putains de moucherons, je vais lâcher. Ce moucheron, il est là chaque stream. Ah, mais t'as encore la statuette qui va me guider vers le mini donjon. Écoute, hein. Why the fuck not, j'ai envie de vous dire, monsieur. Ouais, à chaque fois, c'est vers là, tout en bas. Vas-y, je suis chaud, on va le faire. Quoique non, j'aimerais d'abord récupérer... Non, je ferai ça après, une autre fois. Je veux surtout la stèle. La stèle et ensuite la geôle. Parce que sinon, on va encore jouer pendant des heures, là. Ça fait déjà 3h30, là. Ah non, ok. Et là, t'es vraiment pas loin de la geôle. La geôle, je pense que je peux pas la rater. Par contre, la stèle, c'est un autre délire. Non, la stèle non plus, je peux pas la louper. Juste, elle est un peu longue. Il est loin, ce lait. Ouais. Elle est très loin. Ce que j'aime bien, c'est que ce jeu, il m'oblige à rejouer en clou de temps en temps. Pour ceux qui connaissent pas le jeu clos, c'est quand tu utilises ton index pour appuyer sur les boutons, ton majeur pour les gâchettes, et du coup ton pouce pour les joysticks. Et c'est un réflexe, et j'ai jamais vraiment joué en clos, mais je sais pas pourquoi j'y arrive trop bien, genre. De ouf, pour sprinter là. Ouais, pour sprinter, pour tourner la caméra en même temps et tout. Tout à l'heure j'étais dans un donjon, je me faisais tellement taper, que j'ai dit ouais bon, on va y aller en clou et on fonce. Hein. C'est bon, j'ai trouvé la geôle. Nice. Par contre, est-ce qu'il y a besoin d'une clé? Non. Nickel. Non. Bon, allez, on va aller chercher la stèle qui doit être derrière du coup. Ouais, ouais, tu continues, tu la verras. Bah, elle va s'afficher de toute façon sur la carte. En force d'avancer, tu verras. Oui, oui. Merde. Il y a un bug, je trouve. Oh, oh, c'est pas un bug, c'est pas un bug. Si, oui. Oh là 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 là. The fuit. Ça m'a putréfié direct, frère, c'est bon quoi. Ah, y'a des méduses méchantes là-bas. Et mes frères. Me dis pas que c'est bordel là-haut. Y'a encore un arbre là? The fuck? Non, c'est l'arbre monde que tu vois là. Ok. Ouais. Rien à voir avec les mineurs? Non. Ok. Non. Donc y'a pas de connard non, Van n'est pas dans les parages. Ok. Il m'a pré-shot. Oh non. Oh putain de bâtard. Ouais bon, c'est bon. On va y aller à la zob. Hein. Eh les gars, je ne fais que visiter. Je viens juste rendre service. Qu'on voit devant. Ouais j'ai vu. Mmh. Enculé, la petite balle dans le cul là. La petite flèche dans le huc. Oh. Ah ouais mais ce convoi il est majestueux hein. De géant. Normalement, si t'ouvres ta carte là, il y a moyen que tu puisses déjà voir la stèle. Ah oui, droit devant. Ok, nickel. Mm. Putain, la zone elle est longiligne as fuck. En fait, c'est pour ça que tu t'es fait prendre, en fait, elle monte jusqu'en haut, genre. Mm.
Par contre, je regarde le décor, c'est abusé. Wow. C'est quoi, j'allais tomber dans le filet. Le décor, c'est abusé, comment c'est beau. Ouais. Quand et tu regardes le château, et là, et encore, et encore, imagine le jeu full ray tracing, full tout. Oh la dinguerie. Je vais vous streamer des jeux, vous êtes pas prêts, les gars. Vos yeux, ils vont, vous allez jouer pour rien. Qu'est-ce que je suis devant? Ah, il y a un site en plus. Je l'avais même pas pris, frère. Ok, il est là. Putain, enfin! Putain, je pense que c'est la stèle la moins bien placée de toutes, hein, que j'ai eu. Hein. Messieurs, tant que t'es là, tu peux fouiller le truc devant la ruine. Non, je le ferai plus tard. Okay. Je vais d'abord faire la geôle. Et on finira le live sur la geôle. Parce que potentiellement la geôle va être très très dure, donc bon. Préparez vos paris, les gars. Vous avez l'habitude, préparez votre money. Et moi je presserre l'anus déjà. Quoi, mais 20 morts? Allez, 20 morts, ouais. Vu qu'en soi on a une moyenne de 20 morts pour les geôles. N'hésitez pas à voter dans la prédiction qui arrive, les gars. Est-ce que je fais la geôle en moins de 20 mon truc ou quoi? Ah, Mel qui dit le droit. Est-ce que je le fais en moins de 20 morts ou pas? Sachant que pour l'instant, je ne suis pas mort plus de 20 fois sur ce stream. Après, j'ai abandonné le truc aussi, c'est pour ça, mais... Ah, je suis un connard, j'aurais peut-être dû aller améliorer mes trucs. Dans tous les cas... Tu veux prédire lui ou pas? Ouais, vas-y. Vas-y, bah je confirmerai la truc. On m'avait pas prévenu. Ah non, toi tu demandais si tu pouvais. Ah, on m'a pas prévenu, ça dit donc. What? T'inquiète. Oh, t'as déjà tué des géants, pourquoi pas un géant plus fort? Un géant avec de la magie, t'sais. Oh shit! Here we go again. What? Ok, la grosse attaque. Pas de bien lock, c'est yep. Ouais. Non mais gros, il a carrément des stuns. Non mais j'ai fait mon double dash. Ok, il est très très lent, il est très très grand par contre. Mais je peux le faire. Ok. Yes. J'espère que sa phase 2 va pas être hardcore. Ok. Non. Merde. Oh, me suis trompé de fiole. Ok. Prends la bonne fiole. Tony, tu crois que je t'ai pas vu mettre 4K quand t'as vu qu'il allait bien réussir le boss? Ok, je peux le faire en un coup. Merde! Allez! One shot. Let's go! One putain de tap! Je le trouve fort pour ce jeu! Par contre, sa compétence spéciale pue la merde. Ah oui. Elle pue la merde. Oh putain, mais c'est ouf. Mais ce stream-là, comment on est passé des deux derniers streams à celui-là, genre? Salut Massoum, comment tu vas? Bah t'arrives à la fin du live, c'est dommage. Oh, la plus-value de 700. Oh là là. Oh, what? Attendez, je vais direct à MTP parce que on connaît, hein, dans ce jeu. Tu perds très très vite. Ruissam, comment ça va?
Merci à vous. J'ai juré, j'en ai marre à chaque fois que je parie sur ta chaîne. Je perds, c'est une dinguerie. Mais c'est parce que t'as pas confiance en moi, Pluck aussi. Si t'avais confiance en mon flow et mon skill, tu serais millionnaire, mec. Par contre, vraiment, je l'ai one-tap là, vraiment. Je trouve ça incroyable. Pourquoi il pose que tu one-tap? C'est quoi pour la magie? C'est la foi, c'est ça? Ça dépend, mais ouais, la foi, ouais. La foi. Je vais augmenter la foi pour l'instant, pour commencer. Ah, la foi, c'est genre les incantations, et après, t'as genre la vraie magie avec les trucs bleus. Ça, c'est pour. C'est pour la magie. Ouais. En mode, tu veux faire quoi avec la magie? Attaque à distance, surtout. Parce que là, ça va, je me démerde bien au corps à corps, mais quand je vois les gens que j'affronte et que j'ai du mal à regarder, déjà, bon. Bah, regarde, ce que tu peux faire, ouais, c'est que tu peux mettre un peu de magie pour l'instant. Alors, tu mets de l'intelligence. Ah, c'est l'intelligence? Ok. Ouais, ouais. Là, après, la foi, c'est pour les incantations. Mais l'intelligence, et après, si ça te plaît pas, bah, tu pourras bientôt aller changer. Ok. Ah, oui, c'est vrai, il m'avait dit, Léo. Et genre, là, vu que t'as dispersé un peu tes stats, là, tu pourras te focus dans un truc, et tu pourras commencer à faire tes builds. Tu fais ton build d'intelligence. Utiliser une larme de vie. Vous n'avez pas de larme de vie. Ah, c'est génial. Je n'ai que des larmes pour pleurer. Yes, c'est la première fois que je gagne à Paris, je te fais une fellation. Bah c'est la famille, écoute. Bah ça va bien, Issam, écoute. On va finir le live comme sur ça, je pense. Parce qu'on a quand même fait un stream de 3h30, c'est pas dégueulasse. Et on a bien avancé sur le jeu. Vraiment, là, je vous remonte la map, les gars. On est quand même pas mal. On est putain de pas mal. Alors, cette zone-là, je pense que je serais trop nul pour la faire. Parce que j'ai été TP au pont divin et il faut faire des trucs. Je pense que quand on aura fini tout Liurna, on va retourner sur Kaelid. Et essayer de retaper les cas qu'on n'a pas vu. C'est quoi déjà? Bah webcam. Écoutez les potes, je vous dis potentiellement à demain. Je vous confirmerai ça dans la journée sur Discord. Je vous remets mon Discord et mon Insta dans le chat. C'est toujours là où je préviens. Pour ceux qui me connaissent pas YouTube, à la base je suis YouTuber qui fait des doublages parodiques. Et on se retrouve à la prochaine pour la suite de l'aventure Elden Ring. Merci à vous, les lives sont vraiment trop cool sur Elden Ring. En plus le jeu est fou. Merci à vous pour le soutien les bros. Et la bonne soirée. Bye. Oh.